Bonsoir, très chers amis. Bonsoir à vous qui venez de nous rejoindre sur ce webinaire explicatif du partenariat Solar Group. Oui, nous démarrons. Nous démarrons ce soir. Je vous parle à nouveau en direct du Bénin, avec bien sûr un joli décor, bien sûr de partenariat. C'est ce que Solar peut apporter. Si vous êtes assidu et que vous suivez les bons exemples de ce que je peux donner pour que vous aussi vous puissiez gagner de l'argent grâce à Solar Group, c'est en tout cas ce qu'on vous souhaite. Et je voudrais d'emblée remercier les leaders présents dans la salle qui viennent de nous rejoindre pour suivre ce webinaire dans lequel je vais à nouveau donner des explications pour ceux qui n'ont pas très bien compris et qui ont encore des hésitations à savoir comment on fait pour financer ces fameuses parts sociales que vous achetez et tous ces packs de parts qu'on vous propose dans le projet des moteurs de Unoff. Il faut savoir que ce projet, en plus de ça, eh bien, est un projet qui est en train d'avancer à grands pas, à grands, grands pas. Je viens encore à l'instant de voir des images de livraison de la ventilation donc sur le chantier de la zone économique spéciale Technopolis Moscou, parcelle numéro 16 à la Poutchevo. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui, sous un hiver glacial et un hiver plein de neige, fait que eh bien, beaucoup de gens ont encore la possibilité de voir comment ça se passe et comment ce fameux projet se développe. Ce soir, à nouveau, je voudrais vous inviter et inviter surtout peut-être les personnes qui sont en dehors de la salle, parce que nous avons des rediffusions qui se font normalement sur Facebook et sur YouTube, mais inviter peut-être les personnes à venir dans la salle. Là, en direct, vous aurez aussi possibilité de poser des questions dans le chat, s'il vous plaît. Donc, dans la rubrique discussion, vous avez un petit endroit où il y a marqué discussion. Et vous pouvez donc, là, à cet endroit, placer vos questions pour la fin, car souvent, certaines réponses sont données durant mes explications. Et nous allons parcourir ce programme de partenariat grâce à des images et PowerPoint que je vais vous diffuser dans une seconde et qui vont nous servir de support pour expliquer donc de quoi il en retourne et surtout comment on gagne de l'argent. Parce que c'est un petit peu le but. Ce soir encore, eh bien, mon assistante Barbara, qui est dans la salle, va vous diffuser individuellement, si vous êtes présent dans la salle, eh bien, un code de réduction de 5%. C'est en tout cas intéressant pour les personnes qui sont présentes dans la salle. Il va falloir patienter un petit peu parce qu'on va quand même laisser arriver les gens et puis eh bien, mon assistante vous délivrera si vous restez connecté tout à l'heure dans un instant. Eh bien, quelques codes individuellement à chacun, je rappellerai, dans votre discussion, dans votre chat. J'espère que vous saurez le voir et que vous saurez le lire et le recopier parce que c'est important aussi pour vous de pouvoir bénéficier de quelques avantages si vous venez à mon webinaire. Et c'est en tout cas mon cadeau de Noël, si on peut ainsi dire. J'espère que vous aussi, vous êtes en train de passer de bonnes fêtes, que vous êtes en train de préparer la fête du Nouvel An et que vous allez pouvoir vous amuser un petit peu à l'occasion de la nouvelle année 2022 qui nous promet bien des choses, et en l'occurrence sur Solar Group, car je ne sais pas si vous étiez branché dernièrement et si vous avez entendu Pavel Tchatsky la semaine dernière, il nous annonce beaucoup de bonnes choses, et notamment déjà un changement de back-office, donc le look du back-office doit être modifié dans les prochaines semaines, après le changement de l'étape vers l'étape 17 du projet. Étape 17, pensez donc, moi qui suis rentré à l'étape 5 du projet, on est déjà presque à 12 étapes plus loin. C'est quand même intéressant de voir ça et de voir qu'effectivement, le projet avance qu'il va inexorablement vers le but de 20 étapes où nous aurons ensuite la possibilité de voir la société Sauvelmash,
que nous soutenons par le biais du financement participatif, eh bien, aboutir à la construction de son bureau d'études et d'ingénierie, et que ce bureau d'études et d'ingénierie eh bien, commencera à fonctionner et rapportera donc de l'argent à la société. Laquelle société vous êtes, si vous avez déjà commencé à investir, très certainement partenaire, et que vous allez pouvoir bénéficier de retours sur investissement. Mais pour pouvoir se permettre de payer ces fameuses parts sociales, eh bien, beaucoup de gens ont très peu d'argent. Il faut dire les choses comme elles sont, les temps sont durs, les temps sont difficiles, le Covid est passé par là et bien des gens ont des difficultés à réunir quelques sous pour pouvoir les mettre de côté et peut-être investir dans une société, même si cela paraît très intéressant, c'est toujours un peu compliqué. Mais si vous faites quelques efforts pour investir, car aujourd'hui, investir doit rentrer dans les mœurs et doit rentrer dans les habitudes des gens, investir aujourd'hui, ce n'est pas impossible. Le financement participatif populaire que nous proposons est un moyen justement de correspondre aux revenus que les gens peuvent avoir dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on appelle bien ça un financement participatif populaire, justement dans la mesure où il est à la hauteur des moyens que vous pouvez avoir, sachant que les packs qui sont proposés dans le projet des moteurs du UNOF commencent à partir de $50 pour donc des pack de $500. C'est peut-être beaucoup d'argent pour certains, pour d'autres un peu moins. Cherchez aussi des gens qui peut-être ont plus de moyens et qui sont peut-être des gens qui ont plus de possibilités. Peut-être certains ont reçu des cadeaux de Noël en espèces et vont pouvoir donc, à la place de les jeter par la fenêtre pour aller fêter le nouvel an, eh bien, vont peut-être pouvoir investir dans quelque chose d'intéressant. Je vais donc démarrer par le partage de mon écran ce soir, à nouveau, pour démarrer cette soirée de présentation du partenariat, après cette courte introduction, pour que vous aussi, vous puissiez avoir l'occasion de partager avec vos amis ce ce soir. Certains auront peut-être l'occasion de chercher le replay qui paraîtra ensuite et qui sera diffusé sur la chaîne YouTube. En attendant la présentation du programme de partenariat, c'est une façon de gagner de l'argent. Vous voyez, les gens qui investissent effectivement dans le projet, c'est ce qu'on appelle un investissement à long terme. Nous faisons des investissements pour que plus tard, nos enfants, nos petits-enfants puissent bénéficier de retours sur investissement ou, si vous n'êtes pas trop âgé vous-même, bien sûr, vous puissiez bénéficier dans les prochaines années de retours par rapport aux ventes de conception de moteurs que réalisera Monsieur Duhune. En attendant, si vous n'avez pas de moyens ou peu de moyens, ou moyennement de moyens, eh bien, vous pouvez participer au programme de partenariat qui rapporte de l'argent immédiatement. Alors, quand on dit immédiatement, ça veut dire dès demain. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est ambitieux et qui cherchait à gagner de l'argent avec ce labo, vous êtes les bienvenus et je vais essayer de vous expliquer autant soit que peu facilement comment vous pouvez aujourd'hui gagner de l'argent et ne pas avoir sortir de l'argent de votre poche. Je m'explique encore un peu plus. On vous demande, dans ce programme d'investissement, de sortir de l'argent et de dire, voilà, tous les mois, vous devez payer $50. Mais je dis ça, $50, ça peut être plus, ça peut être $100, 150, 200, 300, autant que les possibilités vous le permettent. Simplement $50, c'est le minimum aujourd'hui. C'est $50, vous allez les sortir le premier mois. Le deuxième mois, vous allez aussi pouvoir les sortir, mais avec déjà un peu plus de difficultés. Et le troisième mois, vous avez d'autres contraintes qui vous tombent dessus. Et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir assurer le paiement de votre mensualité. Et à partir de là, vous allez déchanter d'avoir commencé à investir dans quelque chose parce que
vous n'êtes pas de nature à pouvoir tenir un engagement et vous ne savez pas comment l'on peut gagner de l'argent grâce à cela pour compenser justement le paiement de ces mensualités. À partir de là et de ce constat, Solar Group vous propose tout simplement de gagner de l'argent grâce au partenariat. Et ce soir, nous allons voir ce que c'est que ce partenariat. Je voudrais d'emblée aussi préciser que ce mode de fonctionnement n'est absolument pas obligatoire et que vous avez possibilité de ne pas le faire. Si vous avez quelques valises d'argent ou des liasses sous votre matelas et que vous n'avez pas besoin du partenariat, bien, ce n'est pas grave. Je connais peu de gens toutefois qui ont tout ça et c'est pourquoi nous préconisons absolument de suivre le partenariat pour que les gens qui avaient peu d'argent au départ se retrouvent avec beaucoup d'argent à la fin. Je voudrais aussi préciser que dans le partenariat que nous proposons, il ne s'agit pas de ne rien faire. Ce n'est pas ici un hype, ce n'est pas ici un jeu, ce n'est pas ici une possibilité de gagner de l'argent en ne faisant rien, surtout pas en dormant et surtout pas en ne travaillant que 5 ou 10 minutes par jour. Cela demande une assiduité, un engagement. Si vous allez, par exemple, travailler chez un patron, eh bien, vous avez forcément dans votre journée un certain nombre d'heures à effectuer pour arriver à un salaire. Ici, vous êtes votre propre patron, vous êtes votre propre chef, vous pouvez donc faire comme vous voulez. Cela veut dire que nous avons des avantages dans ce partenariat que nous allons donc dès à présent détailler. Déjà, qu'est-ce que c'est que le programme de partenariat? Eh bien, c'est une forme de coopération commerciale entre la société Solar Group et vous-même, déclaré en tant que commerçant ou certains pays qui disposent d'un IFU, vous vous mettez donc à votre propre compte. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes donc devenu quelqu'un qui est un indépendant. En tant qu'indépendant, vous devez donc vous prendre en main et vous n'avez donc pas de patron qui est là pour vous diriger. Vous avez certes des gens un peu comme moi qui essayent tant bien que mal de vous guider et de vous orienter, mais je ne suis en aucun cas votre patron et nous n'avons pas à vous commander de ce que vous avez à faire par vous-même. Par contre, on peut aussi, par contre, je le fais souvent, donner des conseils et aussi de façon plus ou moins dure s'exprimer parce que quand on est à son propre compte, on a tendance à un petit peu à une espèce de laisser-aller, c'est-à-dire qu'on ne se prend pas en charge. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes ont besoin de beaucoup plus d'un patron qui va devoir les diriger et qui va leur dire de quoi faire toute la journée pour un salaire de misère. Pardon. La différence entre se créer son propre revenu soi-même et de travailler jour et nuit, oui, parce que si vous voulez gagner de l'argent et beaucoup d'argent, ben, il faut vous engager, il faut passer du temps. Et plus vous allez passer du temps, et plus vous allez avoir de retour sur votre investissement de temps et non pas investissement d'argent. C'est toute la différence. Donc, en quoi consiste le partenariat? Eh bien, il consiste à faire de la promotion du projet que nous développons actuellement. Il s'agit du projet des moteurs d'huile. Donc, ce projet est un projet très intéressant et très lucratif et nous proposons de vendre des parts sociales. Les parts sociales de cette entreprise sont donc en vente sous forme de pack de parts. Le travail de partenariat consiste à promotionner cette activité, à promotionner le financement participatif pour que d'autres personnes puissent également acheter ces parts sociales. Bien sûr, vous devenez donc en quelque sorte un commercial ou, comment dirais-je encore, peut-être un VRP en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi sans prendre réellement au pied de la lettre cette dénomination. Parce que c'est un statut spécifique. Par exemple, en France, un VRP est une personne qui doit avoir une déclaration officielle auprès de leur chambre de commerce en tant que telle. Mais c'est une expression de dire vous serez un petit peu la personne qui mettra en relation une autre personne et la compagnie qui propose un produit, ce produit étant un pack de parts, des parts sociales vendues par la société Solar Group pour soutenir le financement de la société Sovelmash.
Sauvelmash étant cette société qui produira dans le futur des moteurs électriques asynchrones de nouvelle génération, dont M. Duhunoff a développé une innovation technologique. Aujourd'hui, cette proposition et ce projet a une garantie d'État, de la part de l'État russe, par le biais de l'obtention d'un terrain dans une zone économique spéciale à Technopolis Moscou, qui est en fait la sixième plus grande zone économique spéciale, zone franche au monde, dans un classement qui n'est pas donné par nous-mêmes, mais par des spécialistes dans le domaine. En Russie aussi, la zone économique spéciale Technopolis est classée deuxième après celle de Saint-Pétersbourg dans le pays. C'est donc un grand honneur d'avoir obtenu un terrain dans cette zone, et cette zone va nous permettre de garantir ce que nous proposons. Voilà donc cette longue introduction pour vous expliquer qu'en fait, le partenariat consiste à parler autour de vous du projet et donc de parrainer, parce que vous utilisez beaucoup plus ce mot, nous utilisons plutôt l'affiliation, le partenariat, etc. Parce que, et en fait, il s'agit d'un partenariat entre vous et la société Solar Group, ce que l'on appelle ici donc une coopération commerciale. Alors, au départ, pour bien expliquer les choses, vous adhérez parce que le projet vous plaît et vous commencez à acheter ce qu'on appelle un pack de parts sociales. Ces packs de parts sociales, vous allez commencer à les payer et vous allez donc devenir un client. Et souvent, on nous demande quelle est la différence entre un client et un partenaire. Eh bien, un client, c'est celui qui achète des packs de parts et qui ne fait rien d'autre. C'est celui qui va patienter entre 2, 3 ans, ou peut-être même 4, que la société puisse lui rendre la monnaie, en quelque sorte, de retour sur investissement sous forme de dividendes ou par la possibilité de vendre les actions que vous avez achetées à peu de frais et que vous allez pouvoir revendre plus cher. Ça, c'est donc le premier but. Vous êtes donc un client. À partir du moment où vous souhaitez gagner de l'argent avec Solar Group, vous allez donc, à ce moment-là, signer un contrat de partenariat. Comment signe-t-on le contrat de partenariat ? Eh bien, vous devez aller dans la rubrique pour les partenaires, dans votre compte, et vous devez signer ce contrat de partenariat. Ce contrat de partenariat vous donne donc droit à recevoir ce que l'on appelle des commissions. Si vous aidez la société à vendre des parts sociales par votre biais, c'est-à-dire par un lien d'affiliation, eh bien, vous allez percevoir ce que l'on appelle des commissions. Je peux vous donner un exemple un peu plus concret qui est celui du vendeur de voitures. Vous arrivez chez un concessionnaire, vous cherchez du travail et vous êtes peut-être un bon vendeur. Et à ce moment-là, le monsieur qui vous accueille ou la dame va vous dire « Écoutez, moi, je veux bien croire en vos compétences, mais vous allez devoir me les démontrer pendant 2 ou 3 mois ». À partir de là, vous allez vendre des voitures. Si vous vendez des voitures, eh bien, je vais vous payer des commissions sur les ventes. Et si vous ne vendez rien, eh bien, vous aurez zéro. Et à partir de là, eh bien, vous allez vous mettre donc dans votre meilleur jour. Vous allez enfiler votre plus joli costume. Vous allez sortir les plus merveilleux arguments que vous allez pouvoir trouver pour vendre une voiture. Et si personnellement, vous ne possédez pas de voiture, donc je fais allusion là au fait que vous n'avez pas acheté de pack de parts, et vous allez avoir du mal à vendre une voiture parce que si vous ne savez pas comment ça fonctionne, comment on roule avec, quels sont les avantages d'avoir telle ou telle chose ou supplément ou complément dans la voiture, vous n'allez pas pouvoir expliquer aux gens à qui vous voulez les vendre comment ça se passe. Comment on ouvre la portière? Comment on rentre dedans? Comment on s'assoit? Comment on met sa ceinture de sécurité? Comment est-ce qu'on paraît, etc., etc. Vous voyez, je vous fais un parallèle. Et si dans Solar Group, vous envisagez de faire un partenariat et que, en l'occurrence, vous ne savez pas comment ça fonctionne, eh bien, ça risquera d'être assez compliqué. C'est pourquoi il est conseillé aux gens, avant de commencer à faire du partenariat, de déjà commencer tout doucement à acheter des packs de parts pour savoir comment on les achète, comment
comment est-ce que le back-office fonctionne. Dans ce back-office, il y a même des parrains, et bien tout simplement se dépatouiller avec tout ça parce qu'ils n'ont pas du tout envie de s'en occuper. Mais ces personnes-là ne pourront pas faire de partenariat parce que si vous voulez devenir un partenaire efficace et être quelqu'un qui allait pouvoir expliquer à d'autres personnes comment ça fonctionne et devenir donc en l'occurrence ce que l'on appelle un expert en la matière, et bien à ce moment-là, vous allez devoir apprendre un peu plus comment ça fonctionne. Alors, quelles sont les possibilités grâce à ce partenariat? Déjà, vous avez des horaires de travail libres. Mais je vous disais tout à l'heure que ces horaires de travail libres, il fallait les mettre ce qu'on appelle à bon escient. C'est-à-dire que, en fait, vous devez utiliser un maximum de votre temps libre. Si vous avez déjà un emploi, eh bien, essayez d'utiliser le peu de temps qui vous reste à un maximum de contacts que vous allez pouvoir avoir pour parler de ce projet. Peut-être aussi vos collègues de travail, mais attention, collègues de travail, famille, amis proches, tout ça, ce sont des gens qui ont la critique facile et qui n'aimeraient pas trop souvent vous voir réussir ou qui prétextent que vous faites quelque chose qui est dangereux et que, à leurs yeux, parce qu'ils ne connaissent rien et qu'ils n'ont jamais rien entendu de tel, eh bien, vont vous décourager à développer votre propre entreprise. Essayez de leur dire que vous voulez monter un commerce au coin de la rue. Vous allez voir, ils vont vous dire exactement la même chose. Ils vont vous dire que c'est dangereux, que vous n'avez pas les reins assez solides, que vous n'avez pas d'argent et que vous n'avez jamais fait ça. Donc, soyez indulgents avec ces gens-là, remerciez-les gentiment et tracez votre propre chemin en connaissance de cause de ce que je vous explique ce soir et en l'occurrence du projet des moteurs du NOF qui est en train de se développer à grands pas. Vous avez aussi une accessibilité et une transparence dans le projet parce que nous diffusons de très, 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 très nombreuses annonces tous les jours. J'insiste vraiment parce qu'il y a des jours où on en a jusqu'à 6 des annonces. Et ces annonces sont des vidéos, ce sont des photos, ce sont des explications, textes, des promotions, des avantages qui vous sont apportés à tout investisseur par la société Solar Group qui ne cesse de nous apporter des avantages supplémentaires tous les jours et de nous les rappeler. Et vous avez aussi possibilité, grâce à cet engagement de partenariat, d'avoir dans le temps des revenus passifs illimités. Alors, ces revenus passifs illimités, comment ça se passe? Eh bien, en fait, il faut d'abord se constituer ce que l'on appelle une structure de gens, une structure de personnes qui vont vous suivre dans ce business. Vous devez donc parrainer un certain nombre de personnes pour pouvoir commencer à avoir une structure de personnes. Laquelle structure? Il y aura des gens qui vont acheter les parts sociales et il y aura des gens qui n'achèteront absolument rien du tout. Il y a certaines personnes qui vont profiter des cadeaux qui sont offerts et qui ne feront rien de plus parce qu'ils ont peur ou alors ils n'ont rien compris ou ils ont eu le beau-frère trader qui connaît tout, qui les a découragés. Vous avez donc également, comme ce soir, des webinaires qui vous sont proposés. En ce moment, ils sont au nombre de 4 par mois. Nous en avons augmenté la cadence de telle manière à ce que tout un chacun puisse venir suivre ce que l'on nous explique. En tout cas, ce sont par la plupart du temps soit des experts ou des professionnels ou des partenaires nationaux qui présentent ces webinaires et dans différents pays. En l'occurrence, pour le monde francophone, c'est moi-même. Je suis donc Gilles Weber. Je suis partenaire national de 7 pays, dont 6 africains. Et je vais les nommer, donc la France, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Cameroun et le Burkina Faso. Je remercie l'ensemble des membres de ces différents pays d'être derrière moi et de me suivre et parfois de m'écouter, pas toujours. Et je voudrais aussi saluer ceux chez qui nous ne sommes pas encore et qui seraient susceptibles d'être les prochains sur la liste.
où nous allons ouvrir un bureau donc de partenariat national. Je précise encore une fois que quand on parle d'ouvrir un bureau de partenariat national, il s'agit d'un bureau virtuel et non pas d'un bureau physique. Le seul bureau physique existant est celui qui est actuellement au Bénin, où je me trouve actuellement, donc en ce moment. Mais quand on parle d'ouverture de partenariat, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de leaders qui ont les choses en main et qui dirigent de main de maître et qui ont déjà atteint un certain statut dans ce que nous proposons. On va parler des statuts dans un instant, dans ce programme, pour que ces personnes puissent proposer une pseudo-candidature de leur pays pour pouvoir avancer et avoir beaucoup plus de gens qui vont les suivre. À propos de statut, eh bien, les voici à présent. Je voudrais vous présenter ici ce que l'on appelle la motivation du partenariat Solarroom. C'est un petit peu aussi ce que l'on pourrait appeler le plan de carrière. Vous savez bien que quand on rentre dans un travail, on rentre souvent par la petite porte, comme on dit. On rentre par la petite porte et cela veut dire qu'on peut être tout simplement le gardien de ce travail, de cet immeuble, de cette société. Et au fil du temps et des années, eh bien, vous allez pouvoir grimper en échelon parce que le patron va passer par là, vous aura remarqué, aura vu que vous fassiez du bon travail et il vous proposera au fil des années, peut-être, si vous êtes sympa, une promotion. Et vous allez donc devenir spécialiste, puis master, expert, puis professionnel. C'est en tout cas ce que vous propose comme statut la société Solarroom. C'est donc un moyen de rentrer en tant que gardien et de finir dans le fauteuil du PDG. Attention, on nous annonce aussi un nouveau statut qui va apparaître à partir du mois de janvier, donc c'est-à-dire lorsque nous aurons le nouveau back office. On nous parle d'un nouveau statut au-delà de professionnel qui sera donc à réaliser grâce encore à des augmentations d'engagement, de réalisation, de chiffre d'affaires et également de leaders qui vont vous suivre. Voilà donc pour les explications concernant donc cette carrière. Mais ce qui nous intéresse, c'est également de savoir combien on va pouvoir bien gagner. Parce que la société vous propose des gains et depuis le début, vous êtes en train de dire « mais combien on gagne ?» Eh bien, voici les chiffres. Je vous demande de bien regarder dans la première colonne en tant que partenaire, c'est-à-dire que vous venez d'arriver, vous êtes donc un client, vous avez signé le contrat de partenariat, vous êtes donc un partenaire. Et en tant que partenaire, vous démarrez votre activité et vous allez commencer à parler autour de vous de l'ensemble de ce qui est proposé dans le projet des moteurs du Unum. À partir de là, eh bien, en tant que partenaire, vous allez gagner 15% de revenus sur la vente des packs de parts que les gens vont acheter, que vous aurez parrainé. Je précise bien, il faut que vous parrainiez vous-même ces personnes. Ces personnes vont être ce que l'on appelle sur votre première ligne ou votre premier niveau. Ensuite, nous allons avoir la possibilité à ce que la personne que vous avez invitée là, si elle a maintenant acheté un pack de parts, elle va peut-être acheter un deuxième pack de parts ou un troisième pack de parts. Est-ce qu'on peut acheter plusieurs packs de parts? Oui, bien évidemment. Parce que l'intérêt aussi d'acheter plusieurs packs de parts ou d'acheter des toujours plus gros, eh bien, c'est d'atteindre les statuts suivants. Spécialiste, master, expert ou professionnel demande d'avoir investi un minimum d'argent soi-même. Maintenant, la personne que vous avez parrainée est une personne active et va commencer à développer son réseau. Elle a compris que son intérêt, c'était de parrainer d'autres personnes et elle va donc parrainer une personne au deuxième niveau pour vous. Cette personne sera au premier niveau pour elle et sera au deuxième niveau pour vous. À partir de là, vous allez gagner 4% sur les personnes qui auront investi sous cette personne que vous-même vous aviez au départ parrainée. Ainsi de suite, pendant 4 niveaux, où vous allez gagner 2%, puis 1%, sur tout le volume d'affaires que ces gens vont faire, c'est-à-dire sur les packs de parts qu'ils vont acheter. Comment ça se passe? Eh bien, à chaque fois que la personne va acheter un pack de parts ou payer une mensualité, eh bien, vous allez recevoir de l'argent immédiatement dans votre compte personnel Solarroom. Ce compte personnel est en fait un back-office
c'est un site internet en ligne sur lequel vous allez donc vous inscrire si vous êtes tout nouveau et que vous ne le saviez pas. Si par contre vous êtes déjà inscrit et que vous n'avez jamais jeté de coup d'œil dans la rubrique pour les partenaires, il serait peut-être temps d'aller signer à présent le contrat de partenariat pour que vous aussi puissiez gagner les pourcentages qui sont affichés ici à l'écran. Maintenant, vous souhaitez devenir spécialiste ou master ou expert ou professionnel. Eh bien, vous allez gagner plus d'argent. Vous allez gagner 15% au premier niveau, on passe de 4 à 5% pour le deuxième, on passe à 4% pour le troisième niveau, 2% et on ouvre un niveau supplémentaire. Là, vous êtes maintenant spécialiste, mais vous allez me dire, mais comment fait-on pour passer de partenaire à spécialiste? Un petit peu de patience, je vais vous expliquer en détail. Comment fait-on maintenant pour gagner plus d'argent? Eh bien, on essaye de parvenir à devenir master. Master voulant dire maître, maître en la matière. Eh bien, vous allez donc pouvoir gagner 7% au deuxième niveau au lieu de 5%. Et vous allez augmenter de 2 niveaux jusqu'à 0,5% au septième niveau. Expert, alors là, c'est très intéressant aussi parce que vous allez augmenter le nombre de niveaux jusqu'à 9 niveaux. Et en tant que professionnel, vous l'avez remarqué qu'en première étape, vous allez gagner non plus 15%, mais 16%. Et vous allez augmenter votre nombre de niveaux jusqu'à 20. Oui, oui, jusqu'à 20. Je me rappelle qu'à une époque, lorsque l'on avait démarré chez Solar Group, il y a des gens qui disaient que 20 niveaux, c'était impossible. Je peux vous dire que cela fait des années que je suis professionnel et que, bien évidemment, cela fonctionne. Et que ce que l'on appelle des revenus passifs illimités, c'est un petit peu ces revenus qui vous arrivent tout au long de la journée et pour lesquels vous avez donc, à ce moment-là, eh bien, des pourcentages qui vont vous arriver. On nous demande ce qu'on va faire avec les codes que j'ai promis tout à l'heure et que vous allez peut-être recevoir individuellement. Ce sont des codes de promotion qui vous permettent d'avoir 5% de remise sur l'achat d'un pack de parts. Donc, si vous êtes un ancien et que vous avez déjà un pack de parts en cours, sachez que ce code, vous allez pouvoir l'utiliser pour payer votre prochaine mensualité. Parce que sur la page des mensualités, il y a une petite rubrique où il est indiqué « Avez-vous un code promotionnel ?» Oui, vous cliquez dessus et vous insérez le code qui vous a été fourni par mon assistante Barbara. Et vous allez donc à ce moment-là pouvoir avoir l'occasion de l'utiliser pour votre prochain paiement, vous offrant ainsi 5%. C'est mon cadeau de Noël. Merci Gilles. Et Barbara qui vous envoie le code. Donc, c'est l'occasion maintenant de passer à la suite. Vous êtes maintenant devenu professionnel, chose que j'ai atteint moi au bout d'un an. Donc, vous allez pouvoir maintenant gagner plus d'argent. Maintenant, vous voulez savoir comment on passe de l'un à l'autre. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, mais alors très en détail. Voilà donc l'occasion pour moi de vous montrer qu'ici, vous allez avoir possibilité d'avancer. On va essayer d'avancer sur mon slide. Voilà. Eh bien, vous avez donc ici le statut de partenaire. Donc, vous venez de vous inscrire, vous avez signé le contrat de partenariat. Je sais que je me répète, mais vous savez, c'est important parce que parfois, les gens oublient de signer le contrat de partenariat. Ensuite, ils disent, moi, je n'ai pas les commissions. Pourtant, il y a quelqu'un qui a acheté. Il a acheté, il a payé, mais je n'ai pas reçu les commissions. C'est parce que vous n'avez pas signé le contrat de partenariat. Vous avez la possibilité de recevoir donc des bonus, c'est-à-dire des pourcentages de partenariat sur 4 niveaux de la structure. Premier niveau 15%, deuxième niveau 4%, troisième niveau 2% et quatrième niveau 1%. Maintenant, on veut monter à spécialiste. On veut devenir spécialiste parce qu'on veut gravir les échelons. À une époque, nous avions des packs de parts qui étaient très bas. Nous avions des packs de parts de 100 et 250 dollars, mais ces packs n'étaient pas intéressants dans la mesure où celui qui voulait gagner de l'argent ne pouvait déjà d'emblée pas en gagner. Parce que, en fait, pour devenir spécialiste, vous devez avoir investi minimum 250 dollars. Donc, ça voulait dire que les gens qui avaient pris des packs de 100 dollars devaient attendre environ 2 ans et demi, parce qu'ils payaient leur pack de part à raison de 10 dollars par mois. C'était ridicule. Nous les avons donc supprimés. Aujourd'hui, pour pouvoir gagner de l'argent avec Solar Group, vous devez avoir investi minimum 250 dollars. Et pour cela, vous pouvez déjà passer par le statut de partenaire et gagner des revenus. Ensuite, si vous voulez grimper et devenir un peu plus important dans la société et avoir un peu d'assurance, eh bien, au niveau 1, donc premier niveau, donc les personnes que vous avez vous-même parrainées,
Vous devez avoir deux personnes qui auront investi 100 dollars chacun. Vous-même ayant investi 250, plus deux personnes à 100 dollars, ce qui fait 200, eh bien, ça fait en tout 450 dollars que vous devez cumuler entre vous-même et deux personnes minimum dans votre premier niveau. Si toutefois, vous avez plus de gens qui ont investi sur Solar Group et qui sont plus nombreux que 100 dollars ou deux personnes, eh bien, tant mieux, vous allez pouvoir déjà vous préparer à passer au statut suivant. Si vous-même, vous avez investi plus que 250 dollars en ayant pris, par exemple, un pack de 500 dollars et que vous avez donc maintenant déjà payé 6 mois parce que vous avez gagné de l'argent et que vous avez payé un petit peu en avance, eh bien, vous allez très rapidement pouvoir vous engager à devenir master. Pour devenir master, vous devez donc avoir investi 500 dollars. Non, pas besoin d'attendre 10 mois. Si personnellement, vous voulez investir un peu plus d'argent que ce que vous avez déjà mis, par exemple, vous avez déjà payé 300 dollars et que vous voulez devenir master un peu plus vite, eh bien, rien ne vous empêche de payer 4 mois cumulés ensemble et en plus, vous allez pouvoir gagner des bonus de part, des bonus de part gratuits si vous payez plus vite. Et vous pourrez donc ainsi devenir master grâce au fait que vous allez avoir dans votre premier niveau 3 personnes minimum à 200 dollars et que ensemble, entre vous-même et l'ensemble des gens du premier niveau que vous avez parrainé, eh bien, vous allez avoir 2000 dollars de résultats. Certains ont trouvé ce chiffre important. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un cap à passer. Devenir master, c'est déjà tout un truc. Mais ça vous donne déjà un engagement de voir comment ça fonctionne. Ça vous montre déjà le travail qu'il y a à fournir, parce qu'il faut déjà fournir un certain travail pour arriver à ce statut. Vous voyez qu'à l'heure là, vous commencez à gagner de l'argent parce que vous allez avoir jusqu'à 7 niveaux de parrainage où vous allez pouvoir récolter des commissions. 15%, 7%, 5%, 3%, 2%, 1%, 0,5%, c'est à l'écran. Et sur les différents niveaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà donc pour le statut de master. Beaucoup de gens atteignent ce statut parce qu'ils travaillent. Ils se mettent au travail et nous avons quelques personnes parfois qui nous apportent des témoignages par rapport à ça en disant, ben voilà, moi, dans ma vie, avant, j'étais gardien et maintenant, j'ai quitté mon travail parce que je gagne beaucoup plus aujourd'hui qu'auparavant grâce à Solar Group. Et c'est un petit peu la récompense parce que vous savez, parfois, quand on est gardien hein, ou gardien en sécurité, on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent. On peut en gagner beaucoup, mais il faut faire beaucoup d'heures de travail, parfois au détriment du sommeil. Là aussi, dans Solar Group, je vous demanderai de travailler. Ne pensez pas à dormir toute la journée et ne travailler que 5 minutes, ça ne vous rapportera rien. Au contraire, utilisez le maximum de votre temps d'éveil pour pouvoir construire votre business et pour pouvoir en jouir plus tard, c'est-à-dire dans les années à venir. Pouvoir bénéficier de ce que l'on construit pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 6 ans, eh bien, ça permet d'avoir des milliers de gens qui vous suivent dans votre structure et ça vous permet d'avoir ce que l'on appelle un revenu passif limité. Ça aussi, c'est important. Beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup pensent que l'argent tombe du ciel. Beaucoup pensent qu'il faut juste dormir dans un hamac au fond d'un jardin pour pouvoir gagner de l'argent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Beaucoup pensent aussi qu'on peut faire des petites arnaques, on peut faire des sites internet genre hype et gagner beaucoup d'argent. C'est faux. Vous allez perdre beaucoup d'argent si vous faites des hype qui sont, en l'occurrence, que des ponzi qui vont fermer sous peu. Ici, nous apportons des garanties d'État que ce projet que nous présentons est un projet qui est palpable. Ce projet, vous pouvez le suivre en vidéo, en photo. Vous pouvez même le suivre maintenant par satellite parce que maintenant, nous avons même des images satellites de Yandex Maps qui est en Russie, qui nous permettent de voir le bâtiment. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose que vous pouvez donc presque toucher et voir pour le croire. Nous avons... Donc, dans ces statuts, une fois atteint le statut de master, une autre étape importante, c'est celui de devenir expert. Je puis vous assurer que ce n'est pas une mince affaire. Vous devez là redoubler un petit peu de travail
en cherchant encore beaucoup plus de personnes pour rentrer dans votre structure. Le volume des investissements personnels doit au moins être de 1 500 $, ce qui est donc déjà une somme assez conséquente. Et si on transforme ça un peu en francs CFA, ben, ça peut faire déjà 1 000 000 de francs CFA. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais encore une fois, si vous travaillez et que vous gagnez de l'argent grâce au partenariat, eh bien, ce n'est pas un problème pour les investir. Au premier niveau, eh bien, vous aurez à ce moment-là au moins 3 masters. C'est ce qu'il va vous falloir. Le plus dur, c'est bien sûr d'avoir les 3 masters. Chacun de ces masters devra avoir investi 500 $. C'est normal, c'est le minimum pour un master. Et vous devez avoir au premier niveau, entre vous-même et les 3 masters et d'autres personnes, vous devez avoir 5 000 $ de cumulé. Comment cela est-il possible ? Eh bien, tout simplement parce que si vous prenez déjà 1 500 $ vous-même et que vous avez 3 masters à minimum 500, ça vous fait déjà 3 000. Il ne reste donc plus que 2 000 à trouver. Enfin, à trouver, je veux dire par là, à 2 000 $ que vos partenaires du premier niveau vont dépenser. Oui, le chemin est assez long pour venir à expert. Bon, c'est du travail, il faut le faire, mais on peut y arriver. Ce n'est pas sans rien faire. Professionnel est encore un tout autre statut. Là, vous devez avoir investi 5 000 $ personnellement. Vous devez avoir 3 experts dans votre structure, non plus au premier niveau, mais dans votre structure. Et vous devez cumuler entre vous-même et les experts quelques 10 000 $. Voilà donc l'occasion, certains, de pouvoir avancer, de pouvoir grimper les différents échelons. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai réalisé en 1 an, donc ce statut de professionnel, entre août 2018 et août 2019, où nous avons ouvert la Côte d'Ivoire, et grâce à mes amis ivoiriens qui sont passés à l'époque experts, dont je me rappelle notre ami Tanguy, qui est donc passé expert le jour où nous avons ouvert la Côte d'Ivoire, eh bien, je suis personnellement passé professionnel. Merci encore à lui. Et entre-temps, d'autres professionnels sont venus se rajouter dans ma structure. Maintenant que nous avons parcouru l'ensemble des possibilités que vous avez passées professionnelles, eh bien, nous allons continuer à voir un petit peu ce qui se passe en allant voir ce qui passe dans le back-office notamment. Et bien qu'il va changer sous peu, je vais quand même passer rapidement en revue le back-office pour vous montrer, parce que même s'il change de look, les fonctions vont rester les mêmes. Donc forcément, à un moment donné, ça serait bien de les connaître pour que vous aussi, vous puissiez devenir les experts en la matière et que vous puissiez guider d'autres gens. Parce qu'il s'agit de ce travail-là, de dupliquer ce que vous savez faire, de montrer ce que vous savez faire. Les spécificités du programme de partenariat sont qu'il n'y a aucune limite de quantité d'inscription des clients dans la structure, de la première ligne et de la structure. Nous n'avons pas non plus ce que l'on appelle chez nous du binaire. Cela n'existe pas et tant mieux, parce que très souvent, les gens se retrouvent sur ce qu'on appelle la patte faible, et cette patte faible, bien en fait, elle n'est jamais très intéressante et pour personne. Là, il n'y a pas de cas de patte faible, de patte forte. Vous pouvez donc parrainer les gens en longueur, en largeur et en profondeur. Aucun risque de dépassement de la structure. Vous avez donc possibilité de gagner des gains jusqu'à 20 niveaux, ce qui, je vous rappelle, est donc assez conséquent. Ah, là, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Alors, on va tâcher de revenir sur mon slide. Voilà. Et je voudrais vous rappeler rapidement les étapes simples pour devenir partenaire, parce que là encore, la question peut se poser, mais comment on peut devenir partenaire et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y en a toujours, malgré les nombreuses explications que je donne, qui n'ont toujours pas compris ce qu'il fallait faire. Eh bien, déjà, il faut vous inscrire sur le site de Solaro. Ça, si vous avez une personne qui vous a donné un lien de partenariat, eh bien, elle va pouvoir donc vous inscrire. Si vous n'avez pas de lien de partenariat, peut-être qu'il y a des gens qui sont extrêmement nouveaux ici et qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne et qui voudraient donc avoir à ce moment-là une possibilité de s'inscrire. Eh bien, moi, je vais tout simplement vous donner un site où vous allez pouvoir vous rendre. Voilà.
Voilà, sur un groupe tout simplement.fr. Et vous allez pouvoir vous inscrire grâce à cette adresse. Voilà. Pour les autres qui ont invité des personnes ce soir ici, eh bien, suivez les personnes que vous avez invitées. Proposez-leur déjà de leur offrir des parts, par exemple. Des parts sociales, parce que nous avons actuellement un cadeau et nous allons venir sur ce cadeau dans un instant. Donc, oui, c'est Noël. Vous avez reçu des codes dans votre discussion personnelle. Si vous n'avez pas remarqué, je pense que mon assistante Barbara, ça a été envoyé, Barbara ? Non, pas encore ? Une seule personne ? Pas encore ? C'est bon, on me dit. Tout a été envoyé. Donc, pour ceux qui n'ont pas remarqué que vous aviez un code, je vous demanderai d'aller voir dans la discussion. Vous avez donc en discussion privée Barbara qui vous a envoyé un code. Et ce code, vous allez pouvoir l'utiliser pour une réduction de 5% sur un premier achat ou sur une mensualité que vous allez payer. Oui, ce code est valable pour les deux possibilités. Donc, je disais tout à l'heure que si vous avez été invité par une personne présente dans la salle ou une autre personne dans ce webinaire, tournez-vous vers cette personne parce que cette personne va pouvoir vous offrir 200 parts gratuites. 200 parts gratuites, c'est quoi 200 parts gratuites? Parce que ça aussi, les gens nous posent la question, c'est quoi les parts? Eh bien, c'est vrai que si vous ne connaissez pas un minimum le monde de l'entreprise, vous allez avoir du mal à savoir ce que c'est que les parts sociales. Alors, je vais brièvement vous expliquer encore ce que sont que des parts sociales. Lorsque vous allez créer une entreprise, quelle qu'elle soit, avec des amis, et que cette entreprise soit, par exemple, une SARL ou une SAS ou toute autre forme de société de ce genre-là, eh bien, vous allez avoir ce que l'on appelle à rédiger des statuts. Statuts, ce sont les règles de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe si ça? Qui est fait ça? Qui est les propriétaires, etc. Et là-dedans, dans ces statuts, on va vous donner un certain nombre de parts en fonction de l'apport d'argent que vous avez donné. Si vous êtes trois compères, par exemple, et que vous allez faire un magasin, vous avez peut-être rapporté, je ne sais pas moi, 40% du capital de la société. 40% de la société vous revient donc. Et on va définir ça en nombre de parts sociales. Ces parts sociales sont donc une part de gâteau de l'entreprise. Et grâce à cette part de gâteau de l'entreprise, eh bien, vous allez pouvoir recevoir des retours sur investissement plus tard lorsque la société aura fait des bénéfices. Voilà. Si vous pensez que la société va vous donner des bénéfices avant qu'elle n'ait gagné le moindre sou, vous vous trompez de business. Ici, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas sortir de l'argent qui tombe du ciel ou qui est tombé du camion, n'est-ce pas ? Eh bien, en fait, cet argent, vous allez d'abord devoir le gagner avec la société que vous avez montée, avec vos amis. Vous allez donc peut-être devoir faire, je ne sais pas moi, une étale de légumes ou peut-être ouvrir un salon de coiffure ou tout ça. Et pour ça, vous allez devoir avoir du matériel dans votre salon. Pour votre étale de fruits et légumes, il vous faut avoir un emplacement sur un marché, avoir également peut-être une table et une chaise et des légumes à mettre dessus. À partir de là, vous ne gagnerez de l'argent que si vous vendez quelque chose. D'accord ? Si vous ne vendez rien, vous n'aurez rien gagné. Et vous ne pourrez pas dire après à vos associés que vous avez eu un bénéfice. Si la marchandise vous reste sur les bras et que vous n'avez rien vendu, eh bien, vous aurez donc ce que l'on appelle du déficit. C'est-à-dire que, en fait, vous allez devoir jeter la marchandise que vous avez achetée et vous n'aurez rien gagné. Si vous avez un salon de coiffure et que vous êtes trop cher ou que vous êtes trop loin et que vous êtes mal placé ou que vous ne savez pas coiffer les gens, eh bien, vous n'aurez pas de clients. Et à ce moment-là, vous n'allez rien gagner non plus. Et vous allez avoir la porte grande ouverte toute la journée et personne ne va rentrer. Vous n'allez donc, là non plus, rien gagner. Pourtant, vous avez fait des dépenses. Vous avez acheté les meubles, les miroirs, les sèche-cheveux, les peignes et vous n'avez rien. Donc, il faut bien saisir dans quoi vous allez mettre les pieds. Il faut bien comprendre que quand vous investissez dans une société qui est une vraie société, vous devez d'abord attendre que cette société fasse ce que l'on appelle des bénéfices. Parce qu'on ne va pas vous sortir de l'argent du chapeau, comme ça, et vous allez pouvoir le ramasser.
Par contre, la société Solar Group, qui est une société financière internationale, cette société vous vend actuellement des parts sociales. Et des gens achètent un produit, ils achètent des parts sociales. Et sur l'achat de ces parts sociales, la société Solar Group peut vous octroyer ce que l'on appelle des commissions. Parce que vous avez travaillé, vous avez apporté quelque chose à la société, vous avez amené un client. Et si vous amenez un client, on vous donne un pourcentage. C'est ce qu'on peut aussi appeler, par exemple, le cashback. N'est-ce pas ? Beaucoup de gens connaissent maintenant des sites où on peut avoir ce qu'on appelle des cashbacks. Eh bien, le cashback, c'est lorsque vous amenez un client, eh bien, vous allez recevoir ce qu'on appelle un pourcentage. Imaginez, vous connaissez un restaurateur ou un monsieur qui a un bar et vous lui dites, écoute, moi, j'ai beaucoup d'amis, je vais t'amener des amis en masse, mais tu vas m'offrir tous les jours des bières. C'est aussi une forme de commission. Ou alors, tu vas me donner un pourcentage sur tous les amis que je t'amène et vous allez voir ce que va vous dire le marchand. Peut-être que ça va l'intéresser. Peut-être qu'il sera intéressé à voir que vous lui amenez beaucoup de monde et il va peut-être être très d'accord à vous reverser ce que l'on appelle une commission sur les ventes. C'est ce que fait Solar Group lorsque vous faites du partenariat. Elle vous reverse une commission sur les gens que vous avez amenés à ce qu'ils achètent des packs de pain. Pour pouvoir réaliser tout ce travail, on a mis en place des outils de partenaire. Dans le back-office, donc dans votre compte partenaire, vous avez donc en l'occurrence des outils de travail qui vont vous permettre de promotionner. Le matériel de marketing, de quoi s'agit-il ? Il s'agit par exemple eh bien, du PowerPoint que je suis en train de vous proposer là en ce moment. Cette présentation avec des slides et qui est donc à l'écran est un matériel de travail que vous pouvez télécharger dans votre back-office. Il y en a d'autres encore, comme par exemple la présentation du projet des moteurs de Hulme. Hey coach, tu n'as pas par hasard le document qui permet de montrer le projet des moteurs de Hulme ? Si, 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 il est dans ton back-office. Tu peux le télécharger. Et pour pouvoir le télécharger, il faut rentrer dedans. Et beaucoup de gens restent à l'extérieur et regardent ça d'un œil comme ça. Et disent, c'est quoi ça, un back-office ? Eh bien, c'est un site internet qui vous apporte des outils de travail. Ce back-office est automatisé dans ce que l'on appelle le cloud. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'opérations automatiquement lorsque vous commencez à insérer, par exemple, de l'argent ou que vous recherchez quelque chose, il vous donne des réponses automatiques. Vous avez également dans ce back-office ce que l'on appelle un lien de partenariat avec des métriques. C'est quoi les métriques ? Eh bien, c'est quelque chose qui va vous permettre de mesurer ce que vous allez faire dans ce back-office. Si vous voulez inviter des clients, par exemple, eh bien, on va pouvoir mesurer combien de clients vous avez apporté. Combien est-ce que vous avez apporté de partenaires ? Combien est-ce que d'argent vous avez réussi à récolter grâce au fait que vous en ayez parlé à d'autres personnes ? Combien avez-vous eu de pourcentage et de commission pour pouvoir vivre et payer vos propres packs de parts ? Toutes ces choses-là sont indiquées dans le back-office Solar. Vous avez également, comme ce soir, un webinaire qui vous propose en fait des formations gratuites. Je suis actuellement au Bénin, à Cotonou, et nous avons le mardi une présentation de formation pour apprendre justement plus en détail encore et dans la pratique à ce que des gens viennent nous voir avec leur smartphone à la main et qu'on leur explique point par point où il faut cliquer et comment il faut faire pour pouvoir faire les choses. Là aussi, parfois, il y a des gens qui viennent et qui nous posent beaucoup de questions et c'est bien. Et parfois, il y a des gens qui passent à côté et qui pensent que faire la fête, c'est peut-être plus intéressant que d'apprendre à gagner de l'argent. Mais quand arrive la fête, il faut de l'argent pour le dépenser. Donc, il serait peut-être aussi intéressant à ce que les gens suivent les formations, les webinaires, et ne serait-ce que ce webinaire ce soir est également une forme de formation. Vous avez également dans le back-office un service d'assistance donc technique, ce que l'on appelle le support. Le support en ligne, peu de gens le connaissent. Je dis peu de gens le connaissent. Vous avez en bas à droite de votre écran une bulle bleue. Et cette bulle bleue, lorsque vous cliquez dessus, vous êtes en relation avec des jeunes femmes qui sont là pour répondre avec vous et qui vous posent des questions. Si vous avez un problème à régler, vous allez pouvoir le soumettre. Ces personnes parlent français, bien sûr. Vous allez donc pouvoir parler dans votre langue et vous n'êtes pas obligé de parler le russe ou l'anglais. Mais attention, certains jours, le support n'est pas en fonction. Aussi, en fonction de votre pays, le décalage horaire entre la Russie et le vôtre, je pense par exemple aux gens qui sont à leur GMT, comme la Côte d'Ivoire, eh bien, vous avez 3 heures de décalage avec la Russie. Ce qui fait donc qu'à 21 heures, il est minuit en Russie
et que comme tout homme et femme conçus normalement, eh bien, les gens vont dormir. Et parfois, eh bien, il y a des râleries de gens qui disent que vous n'arrivez pas à accéder à ce support parce que soit ça ne s'affiche pas, soit les gens ne sont pas là, mais c'est parce qu'ils sont en train de dormir et que vous, vous êtes réveillés quand ils dorment et eux, ils sont en train de travailler quand vous vous dormez. Donc, essayez de comprendre qu'il y a des horaires. Le samedi, vous aussi, vous aimez sortir et aller peut-être à des mariages, des baptêmes ou autres désagréables rendez-vous. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas là. Eh bien, le samedi, en Russie, ils aiment bien aussi faire leurs courses et peut-être aller à des rendez-vous qu'ils avaient programmés. Donc, le samedi, il n'y a pas de back. Il n'y a pas de support dans le back-office. Comprenez-le. Il y a un jour férié. Il y a des gens, ils ont leur jour férié le dimanche. Il y a des jours, les gens, ils ont le jour férié le lundi. Eh bien, eux, ils ont leur jour férié le samedi. Voilà. Je pense que c'est important de le préciser parfois qu'il y a un support technique en ligne et que ce support technique, donc, vous est accordé avec trois personnes en français qui répondent à pratiquement toutes vos questions et qui essaient surtout de vous dépatouiller. Je vous demanderai une petite chose, c'est soyez patient, nous sommes à la veille d'un changement d'étape et les demandes sont extrêmement nombreuses. Il y a des gens qui ont peu de patience et qui pensent que tout peut se faire en un claquement de doigts. Si vous voulez faire des rechargements par crypto-monnaie, sachez que ça met du temps et que ce n'est pas instantané. C'est important à le dire. Certains novices, certaines personnes qui ne connaissent pas la crypto-monnaie, qui ne savent pas comment ça fonctionne, pensent qu'effectivement, ça fonctionne tout seul et que c'est instantané. Ne pensez pas ça du tout. Vous pouvez attendre jusqu'à 24, voire des fois 48 heures que cet argent arrive sur votre compte. Ne criez pas au loup, c'est comme ça. Si vous ne saviez pas non plus qu'il y avait des frais sur les bitcoins, attention, vous versez 100 dollars sur le compte et vous vous retrouvez avec 75. Et oui, mais le problème, c'est qu'entre-temps, vous avez oublié que maintenant sur la blockchain, en bitcoin, il y a entre 25 et 30 dollars de frais. Vous ne le saviez pas parce que vous ne pratiquez pas cela. Donc, vous êtes nouveau et vous ne le savez pas. Moi, je préviens, je vous le dis, faites attention et ne râlez pas après la société en disant que la société vous a triché. Ce n'est pas la société qui fait la blockchain. C'est la blockchain qui vous prend 25 ou 30 dollars actuellement. Ce n'est pas cela. Vous avez également des systèmes de statistiques dans votre back-office qui vont vous permettre de mesurer si vous êtes un peu professionnel ce que vous faites dans la journée. J'ai utilisé un certain lien de parrainage. Qu'est-ce qu'il me rapporte, ce lien? Je l'ai posté à tel endroit, je l'ai posté sur WhatsApp, je l'ai posté sur Twitter, je l'ai posté sur Instagram. Maintenant, comment est-ce que je peux mesurer et savoir si ma publicité que j'ai faite sur ce réseau social est efficace? Ben ça, vous allez pouvoir le mesurer grâce à des outils à l'intérieur du back-office. Je vais répondre aux questions vers la fin. Ceci dit, il y a une question un peu récurrente qui revient de temps en temps. J'ai parlé tout à l'heure des différents packs qui existent et on me demande si les fameux petits packs de 100 et 250 existent toujours. Oui, ils existent, mais en paiement unique. Vous ne pouvez plus les payer par mensualité. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez possibilité de les payer sur 10 mois à raison de 10 dollars par mois ou 25 dollars par mois. Et ces paiements échelonnés n'existent plus pour ce petit pack. Vous pouvez donc payer 100 dollars en une fois ou 250 dollars d'une fois. Et si vous voulez avoir un système d'échelonnement, c'est-à-dire de pack que vous allez pouvoir payer tous les mois progressivement, et bien, cela commence à partir de 500 dollars, c'est-à-dire 50 dollars par mois ou en franc CFA, si on prend un dollar fort à 700 francs, eh bien, cela représente environ 35 000 francs CFA par mois, ce qui représente 50 dollars sur 10 mois. C'est la part la plus petite que vous pouvez payer aujourd'hui. Et ces packs de 100 et 250 existent toujours, mais vous devez les payer en une seule et unique fois. Voilà pour la réponse à cette question qui passait par là, sous mes yeux,
comme ça, vous avez tout de suite la réponse. Je voudrais préciser que le back-office est ici en plusieurs langues, en de multiples langues, notamment il manque, je crois, le portugais sur cette image, et on se répond aussi dans une dizaine de langues sur le support technique. Donc, vous avez une possibilité, effectivement, de voir que vous pouvez parler avec les personnes ou avoir des filles dans une autre langue qui vont pouvoir parler avec le chat, c'est-à-dire le support technique, dans différentes langues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez donc la possibilité, tout simplement, d'inviter d'autres personnes qui sont des personnes qui sont tout simplement des personnes qui vont pouvoir être vos filles dans d'autres pays. Voyez-vous ? Voilà, c'est comme ça que ça se passe un petit peu. Donc, poursuivons ce webinaire. À présent, je voudrais vous montrer où se trouve à l'intérieur de votre back office, qui est donc en 21 langues ou 22, où se trouvent les différentes rubriques. Parce que souvent, on ne met pas son nez dedans et on pense qu'effectivement, il y a des choses qui fonctionnent toutes seules. Voilà. Alors, il y a effectivement ici une rubrique qui s'appelle « Pour les partenaires ». Et pour les partenaires, il faut comprendre que vous allez pouvoir rentrer dans cette rubrique que si vous avez signé le contrat de partenariat. Cliquez donc pour la première fois sur la rubrique « Pour les partenaires ». Vous allez devoir signer le contrat de partenariat. Et vous allez pouvoir à ce moment-là voir dans le plan de rémunération le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure. Non, je n'ai pas Alzheimer ou je n'ai pas oublié que je vous ai déjà montré ce tableau. Je suis là maintenant rentré dans le back-office et je vais vous montrer où ça se trouve. Donc, je vous rappellerai que vous devez aller dans la rubrique pour les partenaires et vous avez ensuite un menu horizontal. Ce menu horizontal comporte une rubrique qui s'appelle « Plan de rémunération ». Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir avoir la possibilité ici de pouvoir voir ce tableau. Vous voulez savoir aussi comment on fait pour passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de passer de partenaire à spécialiste, master, etc. Voici, sur la même page, si vous descendez avec votre ascenseur, l'ascenseur de votre ordinateur, vous savez, avec la souris, vous pouvez descendre de côté. Sur les smartphones, parfois, j'ai des gens qui ne savent pas que c'est les smartphones, il faut prendre le doigt et bouger. Si, je vous assure, beaucoup de gens le font toute la journée, des centaines de fois, voire des milliers de fois, de monter, descendre avec leur pouce ou leur index. Et quand je leur dis qu'ils doivent aller voir dans leur back-office et que c'est en dessous, ils disent « on ne sait pas faire ». C'est comment qu'on fait ? Désolé, mais je ne peux pas être je ne peux pas vous apprendre les smartphones, je n'ai pas toutes ces compétences pour faire tout ça toute la journée avec tout le monde. Parfois, les gens sont peu patients. Ils veulent tout et tout de suite. Mais surtout, ils veulent que tout leur arrive tout cuit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils essayent, pas qu'ils testent, pas qu'ils cherchent, etc. En fait, ils n'osent même pas cliquer sur un bouton de peur que je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il y a un tremblement de terre. Qui sait, hein ? Mais de grâce, essayez. Cliquez sur les touches, cliquez sur les liens. Regardez comment ça se passe. Lisez. Pourquoi est-ce que moi, Gilles Weber, je dois toujours vous dire « Mets ton doigt là, tourne tes yeux là, regarde là. » C'est un peu dur, hein, à force. Donc, si vous voulez devenir un expert en la matière, je ne parle pas du statut d'expert, je parle de quelqu'un qui a l'expérience. Faites l'expérience du back-office. Commencez par regarder vous-même ce qu'il y a dans le back-office.
Commencez par lire vous-même et regardez les rubriques du lien et comment ça se passe. Comprenez-le. C'est qu'aujourd'hui, il est impossible de tout fournir sur un plateau à tout le monde. Il faut que chacun se prenne un minimum en main. Si vous voulez créer une entreprise, n'allez pas demander à tout le monde de tout vous faire, sauf si vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes le grand patron. Mais si vous voulez créer votre propre entreprise et que vous voulez aller vendre quelque chose, vous montrer votre savoir-faire et le mettre en application pour pouvoir en recevoir un revenu, alors il va falloir mettre la main à la pâte, comme on dit. Parce que si vous pensez que tout le monde va tout vous faire, ça ne marche pas comme ça. Alors, voilà un petit peu comment ça se passe. Il faut chercher, regarder, rentrer dans le back-office, comprendre, expliquer. Vous voyez ? Maintenant, nous allons voir ce qui se passe dans la rubrique des liens de partenariat. Ah, là, on rentre dans la rubrique où il y a les liens de partenariat. Toujours donc pour les partenaires. Il y a marqué « lien de partenariat » dans le menu en haut. C'est où chercher ? Le problème, c'est que les gens ne cherchent pas. Ils n'ont même pas l'idée de prendre leurs doigts et de pousser un truc pour voir s'il y a un menu. Non. Ils vont jusqu'à demander à quelqu'un d'autre de leur montrer où c'est. C'est parfois terrible. Cherchez. Cherchez et trouvez. Parce que si vous-même, vous allez trouver, vous allez savoir expliquer comment trouver aux autres. Et c'est comme ça que fonctionne le marketing de réseau. C'est comme ça que s'appelle la duplication. C'est comme ça qu'on apprend à gagner de l'argent, parce qu'on gagne de l'argent parce qu'on sait expliquer. Si vous ne savez rien expliquer, vous ne savez rien faire de vos 10 doigts, alors il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire. Donc ici, nous sommes dans la rubrique des liens de partenariat. Et dans la rubrique des liens de partenariat, qui vont vous dire, mais c'est quoi tous ces liens ? Ben, teste-les. Copier, 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 copier. Vous voyez à droite sur mon image, j'ai marqué copier partout. Ah, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Copier, coller. Ah, ça c'est aussi un truc que les gens ne savent pas faire. Copier, coller. Ah bon, on peut copier ? Ah bon, on peut coller ? Ah bon, mais on fait comment ? Ouh ! Dur, dur, hein ? Bon, ben voilà, c'est comme ça toute la journée. Il y a tellement de gens qui veulent faire des trucs, mais en fait, ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas cliquer, ils ne veulent pas regarder, ils ne veulent pas regarder comment ça fonctionne, ils ne veulent pas cliquer pour voir ce qui se trouve derrière le lien que vous allez donc partager à d'autres personnes. Donc, vous vendez quelque chose à quelqu'un, mais sans savoir ce que vous allez lui vendre. Cliquez sur le lien de partenariat, mais attention, pas avec le back-office ouvert, parce que si vous avez votre back-office ouvert et que vous cliquez sur le lien de partenariat, ben vous rentrez chez vous. C'est ce qu'on appelle des défenseurs de porte ouverte. Donc, copiez sur une feuille de papier tous les liens que vous avez là dans votre back-office. Et ensuite, vous allez pouvoir les tester un à un. Alors, il y a des liens pour les ingénieurs, il y a des liens pour les gens qui font du partenariat, il y a des liens pour les gens qui s'intéressent à l'investissement, etc. Testez-les, regardez ce que ça montre et donnez-les en fonction des personnes ou diffusez-les en fonction de là où vous voulez cibler les gens. Vous voulez cibler un groupe de personnes sur Facebook. C'est un groupe de gens qui s'occupent de moteurs. Ben, donnez-leur un lien qui s'occupe des moteurs. Là, il y en a un dans la liste. Il y a marqué « landing page pour les ingénieurs ». C'est quoi une landing page ? C'est une page d'atterrissage, si vous traduisez. C'est une page sur laquelle on atterrit quand on clique sur le lien. Et quand la personne atterrit sur cette page, eh bien, en fait, elle va lire ce qui est écrit dessus et elle va finir par s'inscrire. C'est en tout cas le souhait que l'on a. Et comme c'est votre lien de partenariat, eh bien, la personne va s'inscrire en dessous de vous. Et vous allez donc pouvoir bénéficier des commissions à partir du moment où elle va acheter des packs de parts. Ce n'est pas plus compliqué que ça, le partenariat. C'est simplement partager des connaissances, partager un business qui vous plaît, partager une technologie, partager quelque chose qui vous convient et que vous aimez partager. Vous aimez bien partager des images de chats, de chiens, de blagues,
de repas que vous mangez au restaurant ou que mamie ou tonton a préparé, etc., etc. Et toutes les autres bêtises que tous vos amis peuvent poster. Ça, vous savez partager. Mais partager un lien de parrainage, la plupart des gens ils disent « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ben, on ne sait pas. Ben, il faut partager un lien de partenariat. Ah bon, on fait comment? Ah ben, on fait pareil que les blagues, on fait pareil que les plats de mamie et de tonton, on fait pareil, on fait partager. Et on poste sur son mur et on partage dans les groupes et on partage avec ses amis. C'est ça, partager. Voilà, mais il y en a qui ne savent pas faire. Si, si, ils savent faire pour tout le reste, mais pour gagner de l'argent, ils ne savent pas faire. C'est pareil, il y a des gens, ils ont plein d'amis. En ce moment, c'est les fêtes. Il y a des gens qui ont la chance de dire « Ouais, à Noël ou à Nouvel An, moi j'étais parti avec 20 amis, on était 20 autour de la table, on a fait tous la fête. » Et le lendemain, quand on leur propose de faire un business, ils disent « J'ai pas d'amis, zéro ami, plus personne. » Alors pour boire des verres et dépenser l'argent, là, il y avait des amis. Mais par contre, pour leur proposer un business pour gagner de l'argent, il n'y a plus personne. Vous voyez ? C'est un petit peu ce genre de choses que je dis aux gens. C'est un petit peu ça, le coaching aussi. C'est un petit peu ça aussi, le partenariat. C'est d'apprendre à faire du partenariat grâce à ce que je vous dis là. Et il y a des gens qui pensent que le partenariat, c'est facile. Non, non, ce n'est pas facile. Moi, je n'ai jamais dit que c'était facile. C'est très difficile même. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de parler avec d'autres personnes. Ce n'est pas donné à tout le monde de parler comme moi. Ce n'est pas donné à tout le monde de dire la vérité aux gens. Ce n'est pas donné à tout le monde de travailler jour et nuit. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire tout ce qu'on fait toute la journée, de préparer des conférences, de préparer des webinaires et de vous parler, et de vous expliquer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais certains d'entre vous sortiront de l'eau et gagneront de l'argent. D'autres resteront malheureusement dans le hamac au fond du jardin et s'endormiront. Oui, c'est un peu dur comme parole. Mais si on ne vous donne pas de temps en temps un petit coup de pied là où il faut, bien vous n'avancez pas. Donc, moi, je vous conseille d'avancer. Et moi, je suis là pour vous aider à avancer. Et en vous donnant ces conseils, je pense que vous pouvez les prendre à cœur et essayer d'avancer vous-même et d'essayer de prendre en considération ce que je vous dis pour que vous aussi, vous puissiez gagner de l'argent. Parce que si je vous le dis, c'est pour que vous puissiez gagner de l'argent. Et vous puissiez dire, ah, coach, combien m'ont déjà dit, je t'ai vu à la conférence dans tel pays, j'ai adopté ce que tu as dit et aujourd'hui j'ai cessé de travailler et je gagne ma vie avec cela. On aime à entendre ce genre de choses. C'est magnifique. Ça fait plaisir parce qu'il y a des gens qui prennent les choses à cœur et qui font les choses réellement comme on leur enseigne. Parcourons à présent la rubrique suivante. Vous pouvez créer dans votre back-office un lien spécial. Ce lien spécial va vous permettre d'offrir par exemple 200 parts. Il y a une case à cocher, vous pouvez offrir 200 parts grâce à un lien de parrainage. Vous pouvez le créer pour Facebook, pour Twitter, pour WhatsApp. Vous pouvez créer un lien pour chaque réseau social. Vous pouvez tout simplement avoir la possibilité de créer un lien spécifique que vous allez mettre qu'à un endroit. Juste pour pouvoir mesurer combien vous allez avoir de clients, de gens qui vont s'inscrire, de partenaires. Parce que là, le système va vous donner des chiffres. Combien la personne a dépensé? Combien de personnes vous avez eu à parrainer en première ligne? Qu'est-ce que les gens ont fait? Est-ce qu'ils sont clients? Est-ce qu'ils sont devenus partenaires? Toutes ces données sont inscrites là et vous allez pouvoir avoir donc le nombre de personnes qui ont cliqué sur ce lien, le nombre d'inscriptions, les investissements qu'ont réalisé les gens, le nombre de partenaires et les versements qu'ils ont effectués. Ça peut être des données très intéressantes pour juger si à un endroit bien précis que vous avez placé cette publicité, eh bien, cela rapporte ou non. Vous voyez, par exemple, sur mon image, vous avez donc la version à gauche qui a rapporté et la version à droite qui n'a quasiment rien rapporté. Donc, ce n'est pas intéressant d'aller poster à l'endroit où il a posté à droite. Mais c'est intéressant d'aller poster là où il a posté à gauche. Voilà pour les quelques indications. Je vais répondre à quelques questions au passage. Peut-on transmettre les codes que vous avez reçus à vos filles? Oui, bien sûr. Si vous n'avez pas d'utilité, si vous avez, je ne sais pas, moi, fini d'acheter un pack, rien ne vous empêche d'en prendre un nouveau.
Sinon, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, et ou le transmettre à quelqu'un d'autre. Sachez juste qu'on ne peut l'utiliser qu'une seule fois. Donc, donnez-le à une personne, peut-être qui va investir, je ne sais pas, moins 1 000 $ et que ça vous permette d'avancer dans votre statut partenarial, par exemple. Comment est-ce qu'on utilise le code de réduction ? Ah, mais ça, mon cher ami, je l'ai dit tout à l'heure. Je le redis encore une fois, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude des back-office, je pense, et que vous n'avez jamais vu qu'il y a un petit carré où il y a marqué « J'ai un code de promotion ». Sur la page, lorsque vous voulez payer, il y a marqué « J'ai un code de promotion ». Cliquez dessus, mettez le code dans la case et vous allez voir, la réduction va s'afficher. Si vous prenez un pack pour la première fois, c'est pareil. Sur la page, vous allez prendre votre pack. Il y a marqué « Avez-vous un code de promotion ?» Vous cliquez dessus et vous placez le code de promotion. Et ça va vous donner tout ça. Alors, j'ai essayé d'alimenter mon compte depuis samedi. Vous allez voir le support et moi, je ne suis pas support. Donc, moi, je n'ai pas accès à votre argent. Voilà. Vous ne voulez pas rater la promotion, il faut aller se dépêcher. Si vous l'avez crédité avec de la crypto-monnaie, il faut savoir que ça met 24 à 48 heures et que vous ne devez patienter ce temps-là. Mais vous voyez, vous posez des questions auxquelles j'ai déjà répondu il y a 5 minutes. Donc, ça veut dire que soit vous n'avez pas le son, soit vous ne m'avez pas entendu, soit vous n'écoutez pas. Donc, c'est un peu frustrant, vous voyez, quand quelqu'un explique quelque chose en long, en large et en travers et que quelqu'un n'écoute pas, ben, en fait, on se dit, mais ce monsieur, il est là pour quoi ? Il est là pour écouter ou il est là pour jouer ? Ou il avait peut-être bébé ou la télé ou je ne sais pas. Mais c'est des choses que j'explique. Donc, j'aimerais bien que vous m'écoutiez, monsieur. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Si vous avez un problème d'argent qui n'est pas arrivé, vous devez cliquer sur la bulle en bas à droite. Vous savez, ça s'appelle le support technique. Parce que moi, je n'ai pas accès à votre argent. Par contre, au support technique, eux, ils savent vous aider. Ils vont transmettre ça au service technique. Le service technique va vous demander, on va vous demander vos coordonnées, on va vous demander les traces de votre paiement. Et à ce moment-là, on va vous créditer votre argent s'il n'est pas arrivé à temps. Vous voyez, mais tout ça, c'est le support technique qui fait ça. Moi, je suis coach, moi, je suis là pour expliquer comment fonctionne le partenariat, mais je ne suis pas là pour savoir comment arrive votre argent sur votre back-office. Pour ça, il y a un support technique. Et si vous ne comprenez pas le fonctionnement du back-office en lui-même, eh bien, on vous apprend que justement, en bas à droite, vous avez une bulle sur la bleue sur laquelle il faut cliquer, il faut dire bonjour, bonjour madame, je n'ai pas mon argent qui est arrivé, etc., etc., etc. Et c'est eux qui règlent le problème. Moi, Gilles Weber, je n'ai pas accès à votre compte, je n'ai pas accès à votre argent, je ne peux rien faire. Vous comprenez ? Tout ça, c'est de l'apprentissage. Mais encore une fois, vous pensez que moi, je peux faire comme ça, et hop, votre argent va arriver sur le compte. Non, ça n'existe pas. Il faut savoir utiliser les outils que vous avez, et cet outil s'appelle le support technique. Voilà, le support technique peut vous aider facilement. Alors, oui, ça encore, c'est des choses qui sont difficiles à entendre. On n'est pas content quand Gilles Weber, il dit la vérité. Or, je suis désolé, la vérité, c'est que tout ce qui concerne l'argent, c'est le support, ce n'est pas moi. Si vous voulez savoir comment faire pour partager un lien, je vous montre. Si vous voulez savoir comment on rentre dans le back-office et comment on fait cliquer dans telle rubrique, je vous montre. Si vous ne savez pas utiliser le code, je vous réponds. Tout ce qui dépend de l'argent, ce n'est pas moi. OK, j'espère que ce sera bien compris. Oui, c'est juste une question, mais c'est une question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai déjà dit que tout ce qui concerne l'argent qui n'arrive pas en crypto-monnaie qui dure 24 ou 48 heures, il faut s'adresser au support technique. Et le support technique s'occupe de l'argent parce qu'eux ont accès à votre compte. Moi, personnellement, je n'ai pas accès à votre compte. Donc, je ne peux rien faire. Alors, les liens de parrainage sont également mesurables. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser, si vous poussez un petit peu plus loin, par exemple, sur une page explicative, sur un site web, par exemple, vous allez créer une page. Je ne sais pas si vous connaissez Wix, par exemple. Il y a des gens qui connaissent Wix.
Oui, WIX, ce sont des possibilités de faire des pages gratuites. Oui, si, si, c'est gratuit. Bon, il y a une petite publicité Wix en bas, mais c'est rien. Et vous pouvez, sur Wix, par exemple, eh bien, préparer un texte avec des images et vous pouvez donc faire ce que l'on appelle une page de présentation de business. Là, vous avez la possibilité donc de renvoyer les gens que vous voulez sur cette page-là. Vous prenez le lien de la page, vous le diffusez, et les gens peuvent lire les explications que vous avez mises sur cette page-là. En bas de la page, vous pouvez mettre un lien de parrainage, par exemple. Vous pouvez demander aux gens de s'inscrire sur votre lien après avoir donné les explications. Sachez que sur ce genre de page, vous pouvez placer ce que l'on appelle des Google Analytics ou des Yandex Metrica. Ce sont des systèmes qui vous permettent de savoir d'où viennent les gens. Par exemple, ils viennent de Facebook, ils viennent de WhatsApp, ils viennent de Google, qu'ils ont tapé sur, pour savoir ce que c'est que cela, par exemple. Tous ces gens-là peuvent venir de façon naturelle sur votre site et vous pouvez mesurer d'où viennent les gens. Un lien direct aussi, par exemple. Et tout ça, ça peut être intéressant si vous voulez développer de façon un peu plus professionnelle votre partenariat et d'avoir des outils de travail eh bien, qui sont également à ce moment-là disponibles dans votre back-office. Vous savez, dans le back-office, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Le problème, c'est que très souvent, on ne va pas les regarder. C'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. C'est vrai que, effectivement, on a possibilité ici eh bien, d'analyser un peu les choses, de voir un peu ce qui se passe. De voir qu'effectivement il y a des rubriques qu'on n'avait pas vues, qu'il y a peut-être des outils qu'on n'avait pas vus, que ce sont des outils intéressants qui peuvent vous aider à développer et gagner bien sûr de l'argent. Alors oui, il fait un peu chaud également au Bénin où je suis et c'est vrai que je vais me rafraîchir un peu. Alors maintenant que vous avez vu un petit peu des choses un peu plus professionnelles, bon, ce n'est pas non plus pour tout le monde, il y a des gens qui ne veulent pas faire ce genre de choses, je voudrais vous montrer que vous avez aussi dans le back-office la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des certificats de statut. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de partenaires, de spécialistes, de masters, d'experts, de professionnels, eh bien, ces différents statuts, et je vous rappellerai encore une fois, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu, qu'il va y avoir un nouveau statut qui va arriver au mois de janvier. C'est un statut au-dessus du professionnel, je précise. Voilà, je peux déjà vous donner le nom, hein, parce que ce sera un scoop, ça sera président. Voilà. Bon, je ne connais pas du tout les règles, j'avoue, je ne sais pas. Moi-même, je suis curieux de savoir quelles seront les règles pour obtenir ce fameux statut de président. Il va falloir travailler un peu plus que professionnel encore. Donc, les documents que vous voyez là sont générés. Vous pouvez les générer dans votre rubrique documents, sans certificat de partenaire. Et en certificat de partenaire, vous pouvez donc imprimer ces documents, même les encadrer et les mettre dans votre salon, au mur. Et lorsque vous aurez des gens qui viendront chez vous, ils vous poseront peut-être la question en quoi vous êtes spécialiste, en quoi vous êtes maître ou en quoi vous êtes expert ou professionnel. Et vous allez pouvoir donc les diriger vers les explications du projet des moteurs de UNOF et ainsi les parrainer. C'est aussi une possibilité d'utiliser ces documents. Le contrat de partenaire que vous allez signer, je vous le rappelle, cliquant sur le lien pour les partenaires dans le menu, pour les partenaires, la première fois, vous avez donc un contrat de partenariat, vous cochez la case et vous signez électroniquement en cliquant sur un bouton bleu dans votre back-office et vous aurez donc le contrat de partenariat. Et ce contrat de partenariat, eh bien, va vous permettre donc de recevoir les fameuses commissions dont je parlais tout à l'heure. Il existe dans le back-office une rubrique qui s'appelle « s'inscrire ». Alors, je précise que la formulation de ce mot est absolument faux, parce qu'il ne s'agit pas de s'inscrire soi-même.
mais il s'agit d'inscrire quelqu'un. Ne l'utilisez pas. Je vous conseille de ne pas utiliser cette rubrique. On va d'ailleurs tout de suite la passer. Utilisez celle-là. C'est la même chose, mais celle-là, elle offre un cadeau. C'est-à-dire que sur la page d'accueil, vous avez un formulaire d'inscription en cliquant sur « cadeau ». Alors, ce n'est plus marqué « cadeau pour un ami », c'est marqué « recevoir un cadeau » ou alors « cadeau à recevoir ». Cadeau à recevoir, vous pouvez offrir, là, il y a marqué 100 parts à 50 personnes. C'est la base, en fait, parce qu'en ce moment, nous sommes à l'étape 16. Et à l'étape 16, nous avons une promotion qui va jusque là, jusqu'au 30. Nous sommes le 27, encore 3 jours. 3 jours durant encore, vous allez pouvoir offrir 200 parts à 100 personnes par mois. Après, à l'étape 17, ça va retomber à 100 parts, je pense. Peut-être 100 personnes ou peut-être 50, je ne sais pas. En tout cas, normalement, ça va retomber à 100 parts. Donc, vous avez encore 3 jours pour pouvoir faire bénéficier à de nombreuses personnes de 200 parts gratuites. N'oubliez pas non plus que vous-même, vous gagnez 200 parts gratuites lorsque vous offrez 200 parts. Alors, je vais vous raconter une histoire, c'est que parfois, il y a des gens, ils n'ont pas obtenu les 200 parts parce que leur parrain, il a tout simplement oublié que c'était possible. Et ces gens-là vont à ce moment-là faire des mains et des pieds pour se réinscrire. Et on dit, voilà, moi, je veux que je sois réinscrit avec les 200 parts. Excusez-moi, mais on n'a pas le droit d'avoir deux comptes, déjà, première des choses, ni plusieurs. Parce que parfois, quand vous voulez réinscrire des gens, vous vous rendez compte qu'ils ont déjà 3 comptes, voire 4. Si, si. Et tout ça parce qu'ils veulent obtenir les 200 parts gratuites. Mais vous savez, si vous offrez ne serait-ce qu'à une personne qui peut devenir ainsi votre filleule, payer un pack de parts et vous rapporter de l'argent, vous offrez à une seule personne 200 parts, ben vous allez vous-même aussi en gagner 200. Donc, à quoi bon essayer de rouvrir encore une fois un autre compte et encore un compte et encore un compte juste pour gagner 200 parts qui, de toute façon, vous ne les aurez pas parce que vous êtes obligé de faire la vérification du compte. Et si vous avez 3 comptes et vous faites la vérification, pion, la compagnie, elle va vous repérer et elle va vous éjecter. Elle va vous dire, monsieur, vous avez, ou madame, vous avez fraudé. Donc, on vous ferme tous vos comptes et vous 200 parts, finish. Donc, attention, prenez les choses en main. Dites-vous que si vous n'avez pas reçu 200 parts, vous pouvez en gagner 20 000. Si, si, 100 fois 200, 100 cadeaux. 100 cadeaux de 200 parts, hein, ça fait combien? 100 fois 200, ça fait 20 000. Hein, 20 000. Donc, vous venez pleurer pour 200 et en fait, vous avez un potentiel d'en gagner 20 000. Oh, c'est quoi ça? Donc, si vous avez malheureusement, si vous n'avez malheureusement pas reçu les parts gratuites par votre parrain, invitez des gens. Vous allez en gagner. Attention, si vous invitez des gens et que vous voulez garder, vous, les 200 parts que vous avez gagnées ainsi que la personne à qui vous les avez offertes, vous devez faire ce que l'on appelle le KYC. Alors, ça, c'est quoi? Bien, c'est ce qu'on appelle la vérification du compte. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit d'écrire son nom, son prénom, sa date de naissance, son sexe, son adresse. Et là, on me dit, moi, je ne sais pas faire ça. Hein. Eh bien, oui. Pourtant, c'est très simple. Hein. Vous prenez votre pièce d'identité, vous recopiez tout ce qu'il y a dessus et c'est fait. Et ensuite, vous devez télécharger une photo de la pièce d'identité recto et verso. Ah oui, et si c'est un passeport, qu'est-ce qu'on fait? Hein, on ne fait qu'une seule photo, c'est logique. C'est là où il y a l'image, là où la photo, vous faites une photo de votre passeport. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter un certificat de résidence, une attestation de domicile, un justificatif de domicile. Cela dépend du pays où vous habitez et cela s'appelle des fois d'une façon très différente. Sur ces documents que vous allez chercher à la police, à la mairie ou que sais-je encore comme organisme officiel ou comme autorité, eh bien, vous allez avoir l'agent qui vous a rédigé ce document, une adresse.
Si vous-même, vous ne savez pas trop où c'est que vous habitez et que vous dites que vous habitez derrière le camion jaune, alors que vous habitez rue de la Prairie, eh bien, ça sera faux si vous remplissez que vous habitez rue du camion jaune. C'est comme ça, il faut recopier mot pour mot ce qui est écrit sur le document. Bon, il y a des cases qui, des fois, ne vous correspondent pas. Par exemple, il y a marqué « bâtiment », « appartement », « numéro du bâtiment ». Mais si ça ne vous concerne pas, mettez juste un point dans la case. Ne cherchez pas à mettre des chiffres. Ne mettez pas 0 ou ne mettez pas 1. Ou si on vous dit dans quel bâtiment vous habitez, vous dites dans le bâtiment brun, dans le bâtiment rouge ou bleu. Ça ne marche pas. Ce n'est pas écrit sur le papier. Si sur le papier que vous avez cherché auprès des autorités, il est écrit que vous habitez à tel endroit, îlot, numéro tant, appartement tant, écrivez exactement ce qui est marqué. Si vous habitez une commune ou une région, un département, une ville, écrivez. Si vous habitez un quartier, et ensuite on vous écrit en dessous quelle rue, comme vous avez indiqué que vous habitez un quartier, nommez le nom du quartier qui figure sur votre document. Ne cherchez pas un nom de rue qui n'existe pas. Si ça fiche rue et que vous, en dessous ou au-dessus, vous avez coché quartier, vous donnez le nom du quartier. On a compris que vous habitez un quartier, pas une rue. Mais je sais que des fois, ça prête à confusion. Il y a aussi des gens qui n'ont pas l'habitude d'Internet. Ça passe que ça veut dire FR, EN, DE, voilà. Les gens qui ne circulent pas ou qui n'ont pas des étrangers qui circulent avec une voiture ou sur les plaques d'immatriculation, on voyait avant le pays d'où provenait la personne. Eh bien, il faut savoir que EN, ça veut dire anglais. Et que si on vous demande votre nom en anglais, eh bien, c'est simplement votre nom sans accent. Je donne souvent cet exemple. Si vous appelez Gérard, dans le nom en anglais, vous allez écrire Gérard, sans l'accent. Parce que les Anglais ne mettent pas d'accent. Pourquoi vous demande-t-on d'écrire votre nom en anglais sans accent? C'est parce que les systèmes informatiques ne supportent pas les accents. Ils n'aiment pas ça. En fait, ils vont vous les transformer en hiéroglyphes. Ils vont vous les transformer en une phrase bizarre, avec des et, des points, des virgules, etc., des points et des traits. Et vous n'allez rien comprendre. Je vais vous donner un exemple. Vous vous appelez Nguessant, d'accord? Eh bien, si vous appelez Nguessant, vous devez écrire N sans l'apostrophe, Guessant attaché, en anglais. Si vous mettez l'apostrophe, eh bien, en fait, votre nom va se transformer en un truc où il y aura marqué N, AMP, 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 Guessant. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, ce n'est pas mon nom. Eh bien, tout simplement, c'est parce que vous avez mis l'apostrophe, alors qu'on vous demande en anglais de ne pas la mettre. Voilà, c'est un exemple. Je ne peux pas trop expliquer autrement. J'essaie de l'expliquer le plus simplement possible. C'est parce que les systèmes informatiques n'aiment pas les accents. Donc, ne les mettez pas. Si on vous demande d'écrire en anglais, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que je dois répéter deux fois mon nom et deux fois mon prénom? Oui, c'est écrit. Et si je n'ai pas le numéro de ma pièce d'identité? Tu prends ta pièce d'identité en main et tu la relis et tu donnes le numéro. Il y a plein de questions des fois de ce genre-là, un peu bizarre. Pourtant, il n'y a rien de bien compliqué. Vous devez juste recopier ce qui est écrit sur les documents. Si vous mettez autre chose que ce qu'il y a sur les documents, une virgule en plus, un mot en plus, un mot en moins, ça ne passera pas. Si le monsieur qui vous a délivré votre attestation dans un organisme officiel fait une erreur sur le nom de votre rue, retournez le voir. Parce que si vous écrivez le nom juste comme vous le connaissez et que sur le papier il est faux, ça ne passera pas. Donc, tout ça, c'est des choses bien précises. Pourquoi est-ce qu'on vous demande votre adresse? Eh bien, tout simplement pour ne pas donner les parts sociales à votre voisin. Parce que si vous habitez dans une cabane au fond du jardin, eh bien peut-être que celui qui habite devant, il va ramasser vos parts un jour et puis vous n'aurez rien. Donc, il faut que vous disiez où c'est que vous habitez exactement. C'est important de dire où vous habitez et qui vous êtes et quelle est votre identité. Parce que si vous mettez quelqu'un d'autre,
Parfois, les gens, ils mettent l'adresse de la banque. Ah, le banquier, il sera content hein, le jour où il va y avoir des actions. Hein. Il va pouvoir les ramasser en son nom, au nom de sa banque. Méfiez-vous. Bon, je vais chercher un peu loin, mais il y a des gens qui mettent l'adresse de leur banque. Ils prennent un relevé d'identité bancaire, mais à la place de mettre leur adresse où ils habitent eux, ils mettent l'adresse de la banque. J'ai déjà vu. Hein. Et donc, à ce moment-là, bah, c'est le banquier qui va ramasser les actions. Faites attention, il y a des tas de petites choses comme ça qui sont très importantes. Et vous voyez qu'un enseignement, une formation dans ce sens, ou ne serait-ce que je vous le dis dans une présentation comme celle-là ce soir, c'est très important. Voilà donc pour le formulaire de cadeau. Maintenant, si vous avez fait le formulaire de cadeau, comment ça se passe? Maintenant, vous devez remplir le nom, le prénom, l'adresse email et le téléphone de la personne. Oh, attention, hein? C'est WhatsApp? Non, ce n'est pas WhatsApp. L'adresse email, ce n'est pas WhatsApp. Beaucoup de gens nous disent, est-ce que l'adresse email, c'est WhatsApp? Non. Une adresse email, c'est une boîte email qui donc, se finit par Gmail ou .com ou hotmail.fr ou hotmail.com, yahoo.fr, etc. Vous voyez, tout ça, ce sont des systèmes qui permettent d'avoir ce qu'on appelle une boîte de réception pour recevoir des emails. Donc, il faut vous habituer à cela et créer une boîte email si vous n'en avez pas. Si vous avez malheureusement déjà créé un compte par mégarde et que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous ne pourrez pas recevoir le fameux lien qui permettra de valider votre cadeau. Vous devez donc recréer une adresse email différente parce qu'on ne peut pas utiliser deux fois une adresse email. Même titre que, je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas avoir deux comptes ni avec la même adresse email ni avec le même numéro de téléphone. Faites attention de bien mettre plus devant les numéros de téléphone. Il y a encore des gens aujourd'hui qui mettent 00. On ne met pas 00. 00, c'était un peu dans le temps. Ou alors, quand vous vous chiffrez à l'international, vous faites 00. Mais sur les portables, sur les téléphones portables, sur les smartphones, on ne met plus 00, on met plus. Donc, mettez aussi dans les écritures plus devant. Ne l'oubliez pas parce que parfois, quand vous l'oubliez et que vous voulez valider, ça ne valide pas. Et les gens disent, je ne comprends pas, j'ai mis mon téléphone, mais ça ne marche pas. Parce que vous avez oublié de mettre plus. Et pensez international, mettez votre indicatif téléphonique devant et mettez bien l'indicatif de votre pays sans oublier les chiffres. Certaines personnes ne le mettent pas et ensuite, on ne sait pas d'où ils viennent. La planète est grande, les pays sont nombreux et grâce aux indicatifs téléphoniques, on sait retrouver où c'est que vous habitez. Une fois que vous avez rempli cette grille et que vous avez échappé à tous ces petits aléas que je vous indique là, eh bien, vous pouvez cocher la case et vous pouvez faire un cadeau. Alors là encore, c'est une spécificité, je ne sais pas si c'est spécifique aux Béninois, parce que je suis assez souvent au Bénin, mais parfois on nous dit, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment un cadeau? Il y a écrit quoi là? Il y a marqué cadeau ou il y a marqué autre chose? Un cadeau, c'est un cadeau. Donc, c'est gratuit. Ah, mais il faut acheter. Ah, mais on espère que tu achètes. On espère que celui à qui tu vas donner le cadeau, il va acheter. Et ce n'est pas une obligation. Un cadeau, c'est un cadeau. Et si vous avez un cadeau, eh bien, vous n'avez rien à payer. Donc, vous pouvez même générer un certificat pour les 200 parts qui vous sont offertes. Rapidement, sans avoir investi quoi que ce soit, juste pour prouver que, effectivement, ces cadeaux, c'est bien un cadeau gratuit. Voilà pour le cadeau. Maintenant que vous avez envoyé l'email, la personne va recevoir dans sa boîte email, je précise encore une fois, dans la boîte email, hein, il va recevoir ceci. Il va recevoir un bouton bleu où il y a marqué activer le cadeau. Et là, les gens, ils disent, il faut cliquer dessus. Non, non, tu penses. Non, il faut laisser le mail. Hein. Tu auras peut-être un jour le cadeau par la poste, qui sait. Mais quelle question stupide. Mais bien évidemment qu'on clique dessus. Mais pourquoi est-ce que vous voulez faire autre chose? Vous voulez le manger? Vous voulez faire quoi? Vous voulez le mettre en décoration? Le bouton, il est là pour cliquer dessus, bien sûr. Activer le cadeau. Donc, si on ne clique pas dessus, ben, on n'active pas le cadeau. Ça paraît tellement logique. Et pourtant, il y en a qui posent encore la question s'il faut cliquer dessus. Donc, on clique sur le bouton.
Et ça fait quoi si on clique sur le bouton? Eh bien, le petit oiseau va sortir. Et vous allez avoir la page qui va s'afficher ici. Et vous allez avoir en arrière-plan, vous le voyez peut-être sur l'image, déjà le compte Solar Group qui est ouvert. Là, on va vous demander de quelle nationalité vous êtes et où c'est que vous habitez. Répondez correctement. Il y a des gens qui ont une nationalité différente de là où ils habitent. Ça existe, c'est logique. Et c'est pour ça qu'il y a deux cases à remplir en défilant les pays. Parfois, il y a des gens qui disent « Moi, mon pays, il n'est pas dans la liste. » Ça, c'est grave. Eh bien, c'est parce que ce n'est pas toujours dans l'ordre alphabétique. Et c'est parce que les Russes n'ont pas le même alphabet que nous. Donc, du coup, ben, votre pays, il n'est peut-être pas dans les B, il n'est pas dans les C, mais il est peut-être un peu plus loin ailleurs. Donc, cherchez. Cherchez bien, parce que parfois, il faut chercher un moment et vous finirez par trouver votre pays et vous allez pouvoir l'afficher. Mais voilà, il faut avoir un peu de patience. Si vous placez un mot de passe, parce qu'il faut placer un mot de passe ici. Il faut que la personne qui place un mot de passe ait bien compris qu'il faut placer un mot de passe avec des minuscules, des majuscules, des chiffres et un sigle spécial et que l'ensemble du mot de passe fasse au moins 8 caractères. Parfois, les gens ne font pas comme ça. Et à ce moment-là, le système leur répond en leur mettant un truc en rouge que ça ne marche pas. Et les gens vous appellent en vous disant « Ton cadeau, il ne marche pas. » Mais ils n'ont pas lu la petite phrase en rouge qui leur dit qu'ils ont fait une erreur dans leur mot de passe. Donc, indiquez-leur, si vous pouvez être en contact avec eux et lorsque vous avez pris leurs coordonnées, de bien choisir un mot de passe qui fasse 8 caractères avec des minuscules, des majuscules, des sigles spéciaux et des chiffres. Comme ça, ils seront peut-être un peu plus au courant et ne vont pas avoir de problème à ne pas lire ce qui est écrit. Parce que c'est vrai que ça s'affiche lorsqu'on fait une erreur en rouge. Et comme une grande majorité de gens ne lisent pas, ils vont vous dire « ça ne marche pas ». Donc, il faut leur indiquer ce que je viens de vous dire. Maintenant que vous avez envoyé le cadeau et que la personne n'a pas réagi, en tout cas, elle n'a pas eu l'occasion de cliquer sur le bouton pour valider, parce qu'elle avait peur, elle ne sait pas ce que c'est, elle ne comprend pas qu'il faut cliquer, eh bien, vous pouvez éventuellement lui renvoyer le cadeau. Si vous lui renvoyez le cadeau, ne cliquez pas 10 fois. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont cliqué 10 fois la file l'un derrière l'autre. La personne va recevoir 10 emails, mais malheureusement, vous n'avez plus de chance de renvoyer après. Et en plus, il n'y en aura qu'un seul qui sera actif. Si vous voulez envoyer les cadeaux plusieurs fois et utiliser cette rubrique, eh bien, renvoyez une seule fois et prenez la personne que vous lui avez renvoyé l'email. Où se trouve cet endroit où vous pouvez renvoyer l'email? Eh bien, ça se trouve sur la même page que le cadeau, juste en dessous. Là où vous remplissez le nom, prénom, adresse email, téléphone, vous descendez un peu plus bas. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez scroller. C'est comme ça qu'on dit. Eh bien, vous allez scroller, mais parfois, les gens, ils ne savent pas scroller. C'est-à-dire que, encore une fois, vous savez, on prend le smartphone, hein, et voilà, et on glisse comme ça le doigt. On fait un cours de smartphone, hein, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Vous faites ça toute la journée, sauf que là, bizarrement, vous ne savez pas faire. Eh bien, vous allez au bas de la page, et quand vous arrivez en bas de la page, vous allez voir que là vont figurer les gens à qui vous avez envoyé les cadeaux et qui n'ont pas encore validé. Là, vous allez donc pouvoir cliquer sur le bouton à droite, mais il y a marqué « Répéter l'envoi de la lettre ». Attention, ce n'est plus marqué comme ça, c'est « Renvoyer l'email », ça a été changé. J'avais demandé parce que « Renvoyer la lettre », on ne comprend pas trop bien, parce qu'il risquerait d'y avoir beaucoup de confusion entre la boîte aux lettres qui se trouve devant la maison et l'email qui se trouve dans l'ordinateur. Donc, on a changé, on a mis « Renvoyer l'email ». Donc, vous pouvez cliquer sur ce bouton qui s'appelle « Renvoyer l'email ». Attention, je vous rappelle encore une fois, ne cliquez qu'une seule fois, parce que cliquer plusieurs fois, c'est un peu compliqué. Vous allez perdre des possibilités de renvoyer cet email à la personne. Parfois, les gens ils disent « Je ne reçois pas, je n'ai pas reçu ». C'est parce que Google classe ça dans une rubrique qui s'appelle « Promotion ». Donc, vous dites à la personne d'aller jeter un coup d'œil en promotion.
Si c'est Hotmail ou Yahoo, ça tombe dans la boîte spam. Et là aussi, il vaut mieux prévenir les gens que ça peut arriver à cet endroit-là. Ça leur évitera de dire qu'ils n'ont pas reçu. Surtout que c'est un peu frustrant pour vous, vous qui l'avez déjà renvoyé deux fois ou trois fois. C'est un peu dommage. Vous avez une autre rubrique qui s'appelle structure de clients dans, pour les partenaires. Dans le back-office, je répète. Et là, vous voyez vos fioles. Là, vous voyez combien ils ont investi, vous voyez le nombre de fioles qu'ils ont. Vous pouvez même aller voir dans les rubriques, cliquer sur les petites flèches devant pour voir s'ils ont parrainé et combien de personnes ils ont parrainé. C'est très utile, c'est très intéressant. Parfois, les gens parrainent et disent « je ne vois pas mes fioles ». J'ai parrainé trois personnes, mais je ne les vois pas. Eh bien, en fait, il faut que vous alliez dans la structure de clients en cliquant sur « pour les partenaires » et ensuite, dans l'autre menu horizontal, vous avez « structure de clients ». Je rappelle encore une fois, au mois de janvier, nous allons changer le design du back-office, mais que toutes ces rubriques resteront en place et que vous aurez donc à les retrouver à ce moment-là. Poursuivons le back-office. Vous avez aussi des statistiques à l'intérieur qui vous permettent de savoir où sont les gens, où sont situés les gens que vous avez parrainés, dans quel pays ils sont, quels sont les plus nombreux dans votre structure. Est-ce que ce sont les Ukrainiens? Est-ce que ce sont les Indonésiens? Est-ce que ce sont les Russes? Est-ce que ce sont les Ivoiriens? Est-ce que ce sont les Béninois, les Togolais, les Camerounais? Voilà. Qui sont les gens qui sont le plus dans votre structure? Ça peut être intéressant de savoir que vous travaillez plus sur une région que sur une autre. Moi, je suis français, mais la majorité des gens qui sont dans ma structure, ce sont des Béninois. Et après, ce sont des Ivoiriens. Ah oui, désolé pour les Ivoiriens, ils ont perdu une place. Oui, les Béninois sont plus nombreux, mais les Ivoiriens ont plus investi. Donc, vous êtes bons aussi. Même très bons. Même très, 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 très bons, les Ivoiriens. Bon, voilà donc pour les quelques indications géographiques que vous pouvez avoir. Et vous avez une troisième rubrique dans laquelle vous allez trouver des chiffres. Chiffres de la structure, combien il y a de personnes à votre premier niveau, combien est-ce que vous allez gagner à l'avenir si tous les gens vont encore payer leur pack jusqu'au bout, etc., etc., etc. Tous ces chiffres-là sont très intéressants. Je vous les suggère et ça se trouve dans structure de clients, statistiques. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Vous voyez qu'il y a énormément de choses dans votre back-office et qui sont très utiles et très intéressantes. Regardez bien tous ces chiffres, vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Aussi, le compte de partenariat, les bonus de partenaires. Est-ce que les gens qui ont payé, ce sont des gens qui ont payé des anciens packs ou est-ce que ce sont des gens qui ont payé des nouveaux packs? Ça aussi, ça peut vous donner des indications pour savoir si vous devez plus travailler les nouvelles personnes ou si vous devez plus travailler les anciennes en fonction de ce qui s'affiche. C'est donné jour par jour. Et chaque jour, à la fin du mois, ça s'enlève. Et vous avez le mois qui s'affiche en haut. Et à ce moment-là, vous avez deux tableaux. Vous avez le premier tableau qui vous montre le nombre de gens durant un mois, tout chaque mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et vous avez un deuxième tableau qui vous montre chaque jour du mois en cours. Et à la fin du mois, pouf, ça disparaît. Là, au début janvier, votre mois de décembre va disparaître et il va se cumuler en un seul chiffre. Et vous allez voir chaque jour la possibilité au mois de janvier ou au mois de décembre, vous pouvez regarder même en ce moment. Les bonus de partenariat, comment ils ont été répartis? Est-ce que ce sont plus des gens en rouge qui ont déjà des packs qui sont payés ou est-ce que c'est plus des gens qui ont pris des nouveaux packs depuis peu? Intéressant. Voilà. Intéressant à savoir, à utiliser, comme vous voulez. Est-ce qu'on peut retirer de l'argent sur Solargroup? Oui, on peut vivre de Solargroup. Non seulement vous pouvez utiliser l'argent que vous gagnez grâce au pourcentage de bonus que vous avez gagné, et à ce moment-là, cet argent, vous pouvez le dépenser dans les packs et les mensualités à payer. Ou alors, vous pouvez aussi retirer l'argent dans votre poche. C'est très important pour ceux qui veulent gagner leur vie avec Solargroup. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec cela. Il y a des gens qui arrivent à vivre avec cela. Ils font des retraits. Des retraits, comment est-ce qu'on fait des retraits? Eh bien, on fait des retraits sur les processeurs de paiement que vous utilisez déjà. Par exemple, Perfect Money, Bitcoin, Payeer, FastaPay, PayPal, etc. Enfin, ceux qui sont disponibles, en tout cas. Vous voyez, ils sont affichés là. Bitcoin, ADV Cash,
Alors attention, Visa Mastercard, c'est que pour les Russes. Hein. C'est, vous n'avez pas ça chez vous. Mais vous voyez Revolut, ça paye, payer, et bien sûr Perfect Money. Et vous pouvez donc retirer votre argent. Sachez qu'il vous faut attendre environ 24 heures pour que ce soit retiré. Donc, vous avez jusqu'au soir, minuit, Moscou, pour retirer. Et en général, c'est payé le lendemain dans la journée, plus en début d'après-midi. Donc, si vous voulez retirer, vous faites votre retrait et c'est payé le lendemain. Attention, minimum de retrait, 50 $. Et il faut avoir fait la vérification de son compte. Et il y a une autre obligation, c'est que vous devez avoir dépensé dans Solar Group 200 $. Donc, attention, si vous voulez faire des retraits, il vaudrait mieux que vous ayez commencé, ne serait-ce qu'à commencer à acheter un pack et de devenir quelqu'un d'actif avant de vouloir ramasser la monnaie. Mais c'est tout à fait possible. N'hésitez pas. C'est d'ailleurs un très bon plan. Et c'est d'ailleurs ce qui vous permet de gagner de l'argent réellement avec Solar Group en attendant les retours sur investissement par rapport au pack de parts que vous avez acheté. Vous avez les retraits de fonds qui sont ensuite affichés dans votre compte et on vous montre que c'est réglé sur l'endroit où vous avez fait votre demande. Vous avez un tableau qui vous affiche si le montant a été payé ou non. Vous pouvez aussi l'annuler, hein, si vous voulez. Si vous l'avez fait et que 5 minutes après, vous avez une grosse somme qui tombe et que vous voulez changer, vous pouvez supprimer votre demande. Attention, au bout d'un certain nombre d'heures, vous ne pouvez plus supprimer la demande. Aussi, vous avez le compte de partenariat avec les transactions. Là aussi, parfois, les gens disent « Ouais, je n'ai pas reçu les commissions de l'Intel, je n'ai pas remis sur… » Parce que des fois, on ne voit pas, c'est peut-être des fois tellement minime que vous n'avez pas vu le changement de centimes qui sont tombés dans votre compte. Vous avez donc dans le compte de partenariat une rubrique qui s'appelle « Transactions ». Lorsque vous passez la souris sur la bulle bleue à droite avec le point d'interrogation, là alors, sur cette bulle bleue, vous allez voir l'adresse email, la personne et le montant du pack qu'elle a payé et la commission que vous avez perçue. Ça s'affiche ici. Et 6 $, 2 $, 1 $, 0,5, 0,05, 0,1. C'est un petit peu ce que vous allez pouvoir gagner dans la structure si vous avez une grande structure et que vous voyez tomber de l'argent en permanence. Peut-on transférer de l'argent à un autre partenaire? Oui. Vous pouvez aussi transférer l'argent à votre compte principal si vous avez gagné de l'argent bonus et que vous n'avez pas assez d'argent pour, par exemple, payer un pack de parts, vous pouvez transférer cet argent au principal. Comment fait-on? Eh bien, on va sur compte de partenariat et transfert de fonds. Et dans transfert de fonds, vous avez deux rubriques. Soit vous envoyez l'argent à un partenaire, ça va atterrir sur son compte principal. Même si c'est sur le principal chez vous, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez crédité avec votre Perfect Money votre propre compte, et vous voulez transférer cet argent gratuitement, je précise, à votre partenaire ou à quelqu'un de votre structure ou quelqu'un qui n'est pas dans votre structure mais qui a un compte Solar Group, vous pouvez lui envoyer gratuitement cet argent de votre compte au sien. Pour cela, vous devez aller dans virement de fonds à un partenaire, vous rentrez son adresse email Solar Group, vous faites chercher et le nom et le prénom va s'afficher. À partir de là, vous mettez le montant en fonction de l'argent où se trouve, s'il est sur votre principal ou sur votre compte de partenariat, et vous envoyez cet argent à la personne pour qu'elle puisse payer ses packs de parts. C'est aussi une bonne façon d'aider vos filles à acheter des dollars, par exemple, là où c'est plus ou moins compliqué dans certains pays. Il y a une autre rubrique qui s'appelle « Assistance technique sur le projet ». Cette rubrique, très peu de gens s'y rendent. Pourtant, elle est très intéressante. Vous avez des questions-réponses. Vous avez à propos du projet. Des fois, il y a des gens qui disent « Moi, je ne sais pas quoi écrire parce que je n'ai pas compris le projet. Je ne sais pas quoi écrire dans Facebook. Je ne sais pas quoi écrire sur les réseaux sociaux. » Eh bien, vous pouvez aller dans cette rubrique et vous avez des tas d'explications. Vous avez questions-réponses aussi à côté. Dans questions-réponses, là aussi, vous avez des questions. Parfois, elles sont en anglais. Attention. Bon, parfois, elles sont en français. Vous avez aussi des vidéos qui vous servent à savoir comment on charge par Bitcoin, par exemple. Et vous avez dans cette rubrique une nouvelle rubrique qui n'est pas affichée ici, qui permet de s'occuper de tout ce qui est partenariat. Là, vous avez un texte, mais vraiment super bien fait, sur comment démarrer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour partager. Vous avez vraiment des conseils de professionnels
Sincèrement, c'est un document qui est très long, mais qui est vraiment super bien fait. Allez voir dans Entrepreneuriat, vous allez dans Assistance technique et vous cliquez sur Entrepreneuriat. Et vous allez voir, là, il y a deux textes très intéressants, notamment le deuxième, qui vous montre et vous démontre comment travailler avec beaucoup, beaucoup d'exemples. C'est vraiment un document parfait que je vous conseille vraiment d'aller voir et lire. Vous avez également le matériel de travail, genre ce que je suis en train de vous montrer là, le kit d'orateur. Ou parfois, on demande à mon assistante, on lui demande de nous donner un document d'explication sur SolarGroup et sur le projet des moteurs du neuf. Sachez que tout cela existe dans votre back-office et qu'il suffit de rentrer et de cliquer sur le bouton ici en bas, télécharger. Allez voir les différentes rubriques. Vous allez voir que vous avez donc ici des PowerPoint, vous avez des PDF, vous avez la présentation du projet, vous avez les speaker kits, vous avez le matériel, vous avez également les protocoles d'essai de la technologie. Attention, c'est souvent en anglais. Vous avez là des tests de moteur et des choses comme ça pour les professionnels qui ont peut-être des questions et qui ne comprennent pas, mais qui, eux, savent lire les chiffres et les graphiques qui sont issus des fameux moteurs que vous leur démontrez. Aussi, vous avez une rubrique qui vous permet de fabriquer des objets, des t-shirts, des stylos, des carnets, des tasses, tout ce que vous voulez. Vous avez là les modèles à télécharger, notamment les logos. Les logos de YouNov, vous avez la même rubrique ici qui existe pour, par exemple, les logos SolarGroup. Vous avez une autre rubrique qui s'appelle événements des webinaires. Ça, il n'y a pas grand monde qui y va, malheureusement. Et après, les gens sont surpris de savoir qu'il y a un webinaire. Ah bon, il y a un webinaire? Ah, oui, je n'étais pas au courant. Ah ben oui, vous n'étiez pas au courant parce que vous n'allez jamais dans la rubrique webinaire et que vous n'allez jamais dans votre back-office et que vous n'allez jamais cliquer sur la rubrique événements. Pourtant, tous les webinaires du monde entier sont là dans toutes les langues et vous pouvez même maintenant programmer une rediffusion. Cette rediffusion est par exemple celle qui se passe en ce moment sur YouTube ou qui se passe en ce moment sur Facebook. Eh bien, pour pouvoir rediffuser sur votre propre mur ou sur votre propre profil, avec en plus de ça votre lien de parrainage qui va s'afficher automatiquement, eh bien, vous devez cliquer sur « Programmer une rediffusion » et vous devez vous loguer sur votre Facebook pour que cela se diffuse. Vous avez également la même option pour VK, qui est également un réseau social russe, et vous avez la même option pour YouTube. Allez-y, essayez, et vous allez voir que mes webinaires, par exemple, vous allez pouvoir les diffuser. Et pas que les miens, hein. Vous pouvez rediffuser le webinaire en russe, le webinaire en vietnamien ou le webinaire en portugais, peu importe. Ça peut aider à parrainer des gens. Ça peut aider parce que votre lien de partenariat se met automatiquement au-dessus du webinaire. Si vous êtes en train, par exemple, de suivre ce webinaire sur la page d'un ami, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus. Si vous n'êtes pas encore inscrit, ça sera son lien de parrainage et vous allez pouvoir vous inscrire grâce à lui. Voilà, c'est une possibilité. Si vous aussi, vous voulez utiliser ce lien, allez dans votre back-office, cliquez sur « Programmer une rediffusion » dans la rubrique « Événements » et vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Dans la rubrique « Événements », vous avez également les rencontres. Ah oui, là, on a souvent des questions. C'est où la rencontre? C'est écrit. C'est à quelle heure la rencontre? C'est écrit. C'est dans quelle ville la rencontre? C'est écrit. C'est à quelle heure? C'est écrit. C'est où qu'il faut se renseigner parce qu'on ne trouve pas le chemin. C'est écrit. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas. Donc ici, on a des images. On voit que ça a une date, mais on dit c'est où. Et on ne lit pas tout le texte qui est en dessous. Pourtant, c'est écrit partout. C'est écrit quoi, comment, où et où se renseigner. Et des fois, on met même le lien de Google Maps. Et malgré ça, il y a encore des gens qui disent « je ne sais pas où c'est ». C'est pareil, moi, je ne peux rien faire si les gens sont désorientés, qu'ils ne savent pas lire une carte, s'ils ne comprennent pas où on habite, s'ils ne savent pas lire Google Maps, s'ils ne savent pas lire un truc. Tout est écrit, mais quand on ne sait pas, on décroche son téléphone et des fois, on peut même se faire guider par une assistante ou la personne qui organise.
Et elle va vous dire, tiens, tu viens à tel endroit, regarde, tu connais peut-être mieux cet endroit-là que ce qui est écrit. Viens à cet endroit-là. Mais décrochez votre téléphone, appelez les gens, ils ne vont pas vous manger. Ils vont vous guider, ils seront contents de vous accueillir à leur manifestation, à leur événement, pour pouvoir vous présenter le projet des moteurs de YouNeuf. Ah, la rubrique des annonces. Ça, c'est aussi une rubrique des actualités. Je vous invite vraiment à ne prendre que mes textes à moi personnellement. Non pas parce que je m'appelle Gilles Bébert, mais simplement parce que je les travaille. Les textes qui sont diffusés dans le back-office ont parfois des défauts de langage parce qu'ils sont traduits par des Russes. Et aussi gentils soient-ils et aussi professionnels soient-ils, ce ne sont pas des Français. Donc, ils n'ont pas le même langage que nous. Et parfois, ils utilisent des mots bizarres. Ou alors, ils utilisent des tournures de phrases à ne rien comprendre. Comme par exemple, en ce moment, ils utilisent un mot, ils disent « on va remplir la carte de béton ». La carte ? La carte postale ? La carte d'anniversaire ? Tout simplement, ça veut dire le plan de surface. La surface. Et eux, ils disent la carte. Ou alors, on pourrait nous dire le carré de surface. C'est juste un exemple que je vous donne comme ça. Alors, si vous entendez dans une vidéo que vous envoyez écrit la carte, vous allez vous dire, c'est quoi ça, la carte de béton ? Ben, c'est le carré de surface. C'est la surface de béton au sol, plane. Le plan de surface. Et eux, ils disent la carte. Alors, ce genre de mots, moi, je les remplace. Mais si vous prenez le truc du back-office et vous balancez ça aux gens qui ne connaissent rien, même pas le projet, et on va dire, écoute, ton charabia, là, on n'y comprend rien, ça ne m'intéresse pas. Donc, soyez vigilants à bien reprendre des textes que je fais, surtout qu'en plus de ça, je me casse la tête toute la journée à faire des textes que je reprends du back-office. Je change les images en russe pour les mettre en français. Et tout ça, je le diffuse dans les réseaux sociaux. Donc, utilisez mes textes et mes images à moi qui sont issus directement des réseaux sociaux, mais pas ceux dans le back-office. Merci. Comme ça, au moins, vous aurez quelque chose de correct qui vous permettra de diffuser correctement. Je le dis parce que parfois, il y a des gens qui sont pressés de diffuser quelque chose. Si je ne diffuse pas vite quelque chose, c'est parce qu'il me manque un élément. Souvent, c'est l'image qui tarde. Ou alors, c'est une vidéo qui n'arrive pas ou la traduction en français n'a pas été faite. Je ne peux pas diffuser une vidéo où ça parle russe et où vous ne regardez que les images. Vous allez dire, ça fait bizarre. Eh bien, moi, j'attends parfois des heures, voire des jours, à ce qu'on me transmette certaines choses. Parce que nous ne sommes pas, nous, francophones, tout seuls dans Solar Group. Aujourd'hui, Solar Group compte plus de 320 000 ou 340 000 personnes. Donc, imaginez tout le boulot qu'il y a pour satisfaire toutes les langues et parfois juste un peu de patience pour diffuser des informations. Nous faisons aussi vite que possible, moi et mon assistante, pour pouvoir vous diffuser les informations. Et souvent, on a plus vite traduit que leur propre traducteur. Souvent, les messages et les annonces sont plus vite traduites par moi que par leur propre traducteur. Donc, soyez patients et n'utilisez pas les textes du back-office, s'il vous plaît. Maintenant, je vais vous montrer une autre rubrique. Une rubrique que l'on ne voit pas souvent. C'est la rubrique Solar Group. Là, on va parler d'Alexandre Mandoula, qui est le partenaire national de la Russie, pour ceux qui ne le savaient pas entre-temps. Nous avons également des indications sur les gens qui ont réussi, les livres à lire, par exemple, des milliardaires, les affaires des adolescents, enfin bref, des histoires intéressantes ou aussi des instructions pour le partenariat. Allez voir cette rubrique, elle est un peu à part. Il y a marqué « Nouvelles de Solar Group », il faut la retrouver. Et vous allez pouvoir lire des choses différentes de ce que vous avez l'habitude de voir dans les informations traditionnelles qui sont données chaque jour. Activité des partenaires sur les réseaux sociaux. Partagez nos informations. Parfois, les gens nous demandent ce qu'il faut faire et pour partager, pour faire des partenariats, pour gagner de l'argent. Pour pouvoir faire ça, vous devez prendre les annonces qui sont partagées sur Facebook, par exemple,
Vous devez faire partager et vous rajoutez au-dessus votre lien de partenariat, comme vous le voyez ici sur cette image à droite. La personne a rajouté « Rejoignez le projet des moteurs du U9 » et elle a mis en dessous son lien de parrainage. C'est ce qui se passe lorsque vous partagez, par exemple, mon webinaire. Au-dessus, il s'adresse, il y a le lien de partenariat qui commence à s'afficher. Eh bien là, c'est aussi le cas lorsque vous partagez. N'oubliez pas de rajouter votre propre lien de partenariat. Voici une autre possibilité, c'est d'inclure dans un groupe qui s'appelle Solar Group, un groupe sur Telegram. Les groupes Telegram peuvent avoir jusqu'à 200 000 personnes. Non, c'est bien, personne ne peut dépasser les 256 membres dans un groupe WhatsApp. C'est ça qu'on a plusieurs groupes WhatsApp pour les pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a 4 groupes WhatsApp. En Bénin, on a 5 groupes WhatsApp. Parce qu'on ne rentre que 256 personnes dans un groupe. Maintenant, si vous voulez un groupe plus large, plus fourni, plus agréable, plus sympa, ben, je vous conseille Telegram. Beaucoup de gens n'ont peut-être encore pas Telegram, mais sont plus habitués à WhatsApp. Mais venez-y tout doucement vers Telegram parce que beaucoup plus de gens utiliseront Telegram à l'avenir. Il y a beaucoup plus de possibilités, c'est plus sympa. Et surtout, on peut enlever les pubs des gens qui les balancent malencontreusement, ce qui n'est pas le cas sur WhatsApp. Et on est obligé de supprimer des gens parce qu'ils balancent des trucs et on ne veut plus qu'ils les balancent et on se fâche avec les gens pour rien du tout. Donc, si, enfin, plus quelque chose parce qu'ils ont balancé un truc. Mais sur Telegram, on sait faire la police sans faire tout ça. On enlève tout simplement et ça, c'est propre. Voilà, c'est un avantage de Telegram, par exemple. Il y en a d'autres. Mais c'est vraiment sympa, Telegram, je vous invite. Et surtout sur notre groupe Telegram, nous avons pas loin de 3000 personnes qui sont là. Vous trouverez d'ailleurs le lien du groupe Telegram sur la page d'accueil de votre back-office. Vous voyez ici les rubriques à gauche. Il y a marqué Facebook, YouTube, Telegram, Skype. Pourquoi il y en a deux de Telegram? Eh bien, si vous n'aimez pas le blabla des autres personnes, si vous n'aimez pas avoir les critiques, les gens qui vous vendent des dollars, si vous n'aimez pas tout ça, vous pouvez tout simplement choisir de ne recevoir que les informations sur le canal Telegram. Sur le canal Telegram, vous n'aurez pas les blablas des autres, vous n'aurez que les infos. Alors que sur le reste, sur le chat, vous aurez bien sûr les conversations des autres personnes. Eh bien, je vous souhaite de devenir partenaire. À présent, même si j'ai déjà répondu à pas mal de questions auparavant, je vous laisse le champ libre. Je vais d'ailleurs enlever le partage pour revenir à l'écran. Coucou, je suis là. Merci déjà à toutes les personnes d'être restées aussi longtemps et vous êtes nombreux. Je sais que je suis parfois un peu piquant, un peu pinçant. Je me mets parfois en colère. Mais vous savez, je crois qu'à un moment donné, quand on est coach, qu'on veut essayer de faire comprendre quelque chose aux gens, il faut utiliser des mots durs, des mots parfois méchants, pour que ça rentre là et que ça ne ressorte pas là. C'est important parce que quand vous avez des gens de différentes nationalités, des gens de différentes cultures, des gens qui n'ont pas la même notion des choses, vous devez les dire des fois d'une façon plus méchante, plus dure, plus pincante, pour que ça rentre, pour que les gens comprennent. Et si je fais ça, c'est pour votre bien, c'est pour que vous puissiez gagner de l'argent avec cela. Si vous restez là comme ça, et que moi je vous fasse, oh mes chers petits, ah ben oui, je vais vous expliquer comment gagner de l'argent. Vous allez dire, mais c'est quoi celui-là, hein? Alors que s'il y a un peu de poigne, qu'il y a un peu de mouvement, qu'il y a un peu d'énergie, qu'il y a un petit peu quelque chose derrière, vous allez peut-être plus écouter. Ça fait partie du jeu. Et vous aussi, je souhaite que vous deveniez des experts en la matière. Je souhaite que vous aussi, vous gagniez de l'argent avec cela. Parce qu'on peut gagner de l'argent, beaucoup d'argent, juste pas en dormant. Travaillez, jour et nuit, travaillez. Travaillez parce que ceux qui vont travailler pour un patron, ils vont gagner de l'argent à la hauteur du nombre d'heures qu'ils vont travailler. Mais après, ils n'auront pas construit une structure de partenariat qui va leur permettre eux-mêmes de gagner de l'argent de façon passive.
C'est-à-dire un peu comme un médecin. Quand il travaille, il gagne de l'argent, mais quand il ne travaille plus, il doit vivre sur son magot, c'est-à-dire sur son argent qu'il a encaissé durant les heures où il a travaillé. Et ces heures ne sont pas extensibles. Il ne peut faire qu'un certain nombre d'heures dans la journée parce que sinon ses yeux se ferment. Mais vous, c'est pareil. Mais par contre, la différence, c'est que vous, vous allez créer une structure de partenariat. Et quand vous aurez des milliers de gens dans votre structure de partenariat, eh bien, ces gens vont payer de l'argent. Pendant que moi, je vous parle, j'ai des gens qui payent des packs en ce moment et je gagne des dollars alors que je suis en train de faire autre chose. Et c'est ça la magie du marketing de réseau. Et c'est ça la magie qui va vous faire gagner de l'argent. Et c'est ça la magie de Solar Group. Et si vous avez encore des questions, je suis prêt à répondre. Et si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vais vous abonner assez rapidement parce que j'ai beaucoup parlé ce soir. J'ai beaucoup voulu vous donner d'informations encore en cette fin d'année 2021. Je vous souhaite encore beaucoup de bonnes choses pour 2022. Si vous avez encore vite une question, je suis absolument prêt à vous répondre. Comment on utilise les codes ? Eh bien, vous allez pouvoir les utiliser tout simplement en cliquant sur le petit bouton où il y a marqué « Avez-vous un code promotionnel ?» Vous cliquez dessus et vous avez une case qui s'ouvre. Et si vous mettez le code, ça va vous indiquer la réduction à laquelle vous avez droit. Aussi bien pour acheter un nouveau pack que pour payer une mensualité si vous êtes déjà en train de payer un pack de part du projet des moteurs de U9. Tout va bien ? Vous avez tout compris ? Eh bien, si vous avez tout compris, eh bien, je vous souhaite de gagner beaucoup d'argent et je vous donne rendez-vous en 2022 à présent pour de nouvelles aventures, en 2022 pour nouveaux webinaires et bien évidemment, on va faire le nécessaire pour vous apporter encore plus d'informations sur tout ce projet. Je voudrais remercier mon assistante Barbara qui a eu l'occasion de vous offrir des codes promotionnels dans vos chats respectifs. Et s'il n'y a pas de questions, je n'en vois pas. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon réveillon du nouvel an et je vous dis à l'année prochaine. Merci beaucoup, c'était Gilles Weber depuis le Bénin pour Solar Group. Bye bye.